La guerre. La guerre ne meurt jamais. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils qu'il n'avait encore jamais vu. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte, mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au 21e siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse ont entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée, c'est que la guerre ne meurt jamais. La guerre ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans. Tu crois ? Évidemment. Maintenant, arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. À mon tour, mon grand. Bonjour, monsieur. Tenez, votre café. Une température de 78,6 degrés Celsius. Comme d'habitude, vous m'en direz des nouvelles. Et le journal d'aujourd'hui qui vient d'être livré. Les nuits sont fraîches sur l'île de Mamba Chao. Ce qui est étonnant pour l'Asie du Sud-Est. Oh, je détecte une odeur suspecte. Je crois qu'il est temps de changer de petit chaude. J'étais pas trop pour au début, mais Cotsworth est très gentil avec Sean. Tu peux aller ouvrir ? C'est sans doute ce représentant, mais passe tous les jours. Bonjour, société Voltec. Bonjour. Regardez ça. Quel magnifique ciel bleu. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. Eh bien, je vous écoute. Je vois ça. Mais je sais que vous êtes occupé, donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est... un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. L'abri 111. Intéressant. Oh, ça l'est, vous pouvez me croire. Vous avez d'ores et déjà l'autorisation d'accéder à l'abri en cas de... destruction atomique mondiale. Je dois juste vérifier quelques informations. C'est tout. Vivement la fin du monde. Ça me plaît. Alors, voyons. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations. Vous venez d'assurer votre avenir. Merci encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non ? Ah, ce que je ne ferai pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas ? J'ai changé la couche de Sean.
mais rien à faire pour le calmer. Je pense qu'il a besoin d'un câlin papa que vous semblez si bien maîtriser. Tu as entendu Quodsworth ? Allez, allez. Alors, comment vont mes hommes préférés ? Fais tourner un peu le mobile. Il adore ça. Comment se porte mon petit bonhomme ? Ça va mieux ? Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Ce sera comme cette nuit dans le parc il y a un an. Madame ? Monsieur ? Je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Quodsworth ? Et maintenant ? Attendez, des éclairs. Des éclairs aveuglants. Des bruits d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. Quoi ? On m'indique que nous avons perdu le contact avec nos autres studios. Des sources sûres nous confirment que... Oui ? Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Il faut qu'on aille à l'abri ! Vite ! J'ai Sean avec moi. Allons-y ! Habitants de Sanctuary Hills, si vous êtes inscrits, rendez-vous immédiatement à l'abri 111. L'abri est par ici ! Allez ! Ça devrait être assez loin. Ne pleure pas. Arrêtez. Tout va bien. Des postulants pour l'abri, venez. Laisse les valises. On n'a pas le temps. Mais Dieu, tu fais rentrer. Si vous êtes inscrit, rendez-vous immédiatement à l'abri 100. Dirigez-vous vers la porte. Les postulants pour l'abri. C'est absurde. C'est moi, Voltaïque. Vous ne rentrez pas. Si je rentre, vous ne m'arrêterez pas. Du calme. J'irai porter plainte. Si vous êtes inscrit, avancez. Sinon, rentrez chez vous. On est pas inscrit. C'est pas vrai, on va mourir. Laissez-nous entrer. On est sur la liste. Enfant, homme adulte, femme adulte. C'est bon. Merci. Bonne chance, madame. Dieu nous vienne en aide. Vous deux, suivez-moi, allez! Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre côté de la barrière? Allez, dépêchez-vous! Montez sur la plateforme! Mettez-vous au milieu! Ok, c'est bon, on descend! On y est presque, tout ira bien. Je vous aime. Tous les deux. On t'aime aussi. Non ! Vite ! Vite ! Descendez tout de suite ! Accroche-toi ! On peut pas aller plus vite ! Oh mon Dieu ! Aidez-moi ! On a réussi. On y est. Tout va bien. Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers. En ordre, s'il vous plaît. Inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Bienvenue dans l'abri 111. Un avenir meilleur sous terre. Donc là, on doit... Monter l'escalier. Ouais. Je n'arrive pas à le croire. Si on était parti une minute plus tard... N'y pensez plus. On serait tous... Vous êtes en sécurité maintenant. Montez tous l'escalier et franchissez la porte. On a réussi. C'est par ici. Merci de vous avoir en ordre. Ça va. Bienvenue. Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux résidents. Les numéros sont bons. Femme avec là-bas, enfant. Là-bas, s'il vous plaît. Bien. Une combinaison par personne. Maintenant, suivez le couloir. Prenez tous une combinaison. C'est ce que vous porterez dans là-bas, l'abri. Prenez une combinaison. Aucun problème. C'est merci. Au bout de ce couloir, juste là. Suivez le médecin. Il vous montrera où vous rendre ensuite. Bon, vous trois, suivez-moi. Tu vois ? C'est notre nouvelle maison. Oh, vous serez bien ici. C'est l'un de nos complexes les plus modernes. Cela dit, les autres ne sont pas mal non plus.
Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison. Chut. Ça va aller. Papa est là, tu vois? Tu veux bien m'aider, mon cœur? Le voilà, tu vois? Papa n'est pas loin. C'est bon? Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison. Hé, hey, Trésor. Vas-y. Sean a besoin de se calmer d'abord. Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. Détendez. C'est une nouvelle vie qui commence. Résident sécurisé. Fonction vitale de l'occupant, normale. Procédure terminée. Dans 5, 4, 3, 2, 1... C'est celle-ci. Ouvre. Allez! Il doit bien y avoir une ouverture! Allez, allez, allez! Oh non! Je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Sean. Je te le promets. Géant ? C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Où sont tous les autres ? C'est tout ce qu'il reste ?
séquence d'ouverture de la porte de l'abri initialisée. Veuillez reculer. Par ma barbe! Oh, c'est vraiment vous! Codsworth? Tu es toujours là? Mais alors, d'autres ont peut-être survécu aussi. Évidemment que je suis toujours là. Vous ne pensiez tout de même pas qu'un peu de radioactivité suffirait pour se débarrasser de la fierté de General Atomics International, si? Mais vous n'avez pas l'air en grande forme. Mieux vaut que votre épouse ne vous voie pas dans cet état. Où est-elle, d'ailleurs? Ils l'ont tué. Monsieur, ces choses que vous dites, ces choses affreuses, je crois que vous avez besoin d'une distraction. Oui, une distraction pour lutter contre cette déprime. Cela fait une éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Nous pourrions peut-être jouer aux dames, ou pourquoi pas aux charades. Sean adore ce jeu. Est-il avec vous? Il a disparu, putain. Quelqu'un l'a enlevé. On m'a pris, mon fils! C'est encore pire que ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement due à la faim. C'est le genre de choses qui arrivent quand on ne mange pas pendant 200 ans. J'en ai peur. 200 ans? Quoi? Qu'est-ce que tu... Un peu plus de 210 ans, en fait, monsieur. Plus ou moins quelques minutes. En raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Cela signifie que vous avez deux bons siècles de retard pour le dîner. Souhaitez-vous que je vous prépare une petite collation? Vous devez avoir faim. Codsworth, tu as un comportement un peu... étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, monsieur, c'était affreux. Deux siècles entiers sans personne à qui parler, ni personne à servir. J'ai passé les 10 premières années à essayer de cirer les sols. Mais rien ne permet de ravoir les planchers quand ils ont subi des retombées atomiques. Rien. Je ne vous parle pas de la futilité de faire les poussières dans une maison qui s'est effondrée. Et la voiture? Comment faire pour polir la rouille? Reste avec moi, mon vieux. Concentre-toi. J'ai bien peur de ne rien savoir du tout, monsieur. Les bombes sont tombées et vous êtes tous partis précipitamment. J'étais certain que vous et votre famille étiez morts.
J'ai retrouvé cette holobande. Je pense que madame souhaitait vous en faire la surprise, mais... ce que vous savez, c'est produit. Une holobande? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Je pense qu'il s'agit d'un message d'ordre privé qui vous est adressé. Mes protocoles de convenance m'empêchaient de la lire. N'importe quel lecteur d'holobande devrait vous permettre de la lire. Comme le Pip-Boy que vous avez au bras, par exemple. Il devrait parfaitement faire l'affaire. Bon, je me suis suffisamment apitoyé sur mon sort. Souhaitez-vous que nous inspections le quartier ensemble? Peut-être retrouverons-nous madame et le jeune Shaun. Il ne reste plus rien ici. Tout a disparu. Eh bien, si vous comptez vous aventurer dans des territoires inconnus, je ne tenterai pas de vous en empêcher. Je garderai le quartier en votre absence. Oups. Non, non, non. Ôte tes petits doigts de là. Allez, on va essayer. Dis-le. Oui, juste là. Non, là. Allez, vas-y. Bravo. Salut, Trésor. Écoute, je crois pas qu'on ait besoin de te dire que t'es un super papa, Sean et moi. Mais on va quand même le faire. Tu es gentil et aimant. Et drôle aussi. C'est vrai. Et tellement patient. Tu as la patience d'un saint, comme disait ma mère. Écoute, avec Sean et nous tous ensemble à la maison, cette année a vraiment été fabuleuse. Mais je sais que le meilleur reste à venir. Évidemment, il y aura des changements, on va devoir s'adapter. Tu trouveras un travail dans le civil. Et moi, je vais recommencer à pratiquer le droit. Mais quelles que soient les difficultés, tout ce qu'on fait, c'est pour notre famille. Maintenant, dis au revoir, Sean. Au revoir. Dis au revoir. Au revoir, mon cœur. On t'aime. Qu'est-ce que c'était que ça? Votre famille n'est pas là non plus. Ils ont vraiment disparu, n'est-ce pas? Sean est là, quelque part, Codsworth. Je dois le retrouver. Et Concorde, monsieur. Il y a beaucoup de gens là-bas. Et la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont juste donné quelques coups de bâton avant que j'arrive à m'enfuir. Ces gens-là me plaisent déjà. Oh, parfait! Dans ce cas, peut-être que vous vous entendrez bien avec eux et qu'ils pourront vous aider à retrouver le jeune Sean. T'as perdu ton maître, mon vieux. D'accord. On va faire un bout de route ensemble. Un groupe de colons à l'intérieur et les pillards ont presque réussi à franchir la porte. Je vous en prie, prenez ce mousquet laser et aidez-nous. J'arrive, bande
d'enfoirés. Je vais vous faire la peau, je vous préviens. Et arrête, où tu veux qu'ils aillent. On a autre chose à foutre, merde. Vous entendez ça? Faut que j'aille faire un tour. Mais quand je reviens... Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous tombez à pic. Preston Garvey, des miliciens du Commonwealth. À votre service. Eh bien, si c'est vrai, votre aide serait la bienvenue. Nom d'un chien. Comme vous pouvez le voir, on est dans une situation peu enviable. Le monde a tellement changé. Rien de tout ça n'a de sens. Vous allez bien ? Écoutez, on a besoin de votre aide. Et peut-être qu'après, c'est nous qui pourrons vous donner un coup de main. Hein ? Qu'est-ce qui vous amène ici ? Mon fils Sean a été kidnappé. Il n'a même pas un an. Alors ça, c'est vraiment une vacherie. Désolé. Je sais que ce monde n'est pas facile. Il y a un mois, on était 20. Hier, 8. Et maintenant, plus que 5. D'abord, il y a eu les ghouls à Lexington. Et maintenant, ça. Des ghouls ? C'est quoi ça ? Peut-être. Vous n'êtes vraiment pas du coin, hein ? Non. Les ghouls sont... des gens irradiés. La plupart sont comme vous et moi. Elles ont une sale tête et vivent plus longtemps que la moyenne. Non, mais ça reste des gens. Celles dont je vous parle sont différentes. Les radiations leur ont rongé le cerveau et elles sont totalement sauvages. Nom d'un chien. Dès qu'elles vous voient, elles n'ont qu'une seule idée en tête. Vous réduire en charpie. Bref, on pensait pouvoir s'installer à Concorde. Mais ces pillards nous ont prouvé le contraire. Mais on a encore une idée. Je vous écoute. Sturgess. Expliquez-lui. Il y a un vertiptère qui s'est écrasé sur le toit. Un vieux modèle qui date d'avant la guerre. Vous l'avez peut-être aperçu. Apparemment, un de ses passagers a laissé un truc pas piqué des hannetons. Je parle d'une authentique armure assistée T-45, modèle militaire. Ça me plaît. Je m'en doutais. Ouais, une excellente protection, avec un bonus non négligeable. Avec l'armure, vous aurez la force d'arracher le minigun du vertiptère. Et là, du coup, pour les pillards, c'est un aller simple pour l'enfer. Vous pigez ? Un minigun ? Là, ça me parle. Sympa, hein ? Bon, il y a juste un léger souci. L'armure est à sec. Ses batteries sont sans doute vides depuis un bon siècle. On peut la recharger, mais dans notre situation... Je vous aiderai autant que possible. Vous allez avoir besoin d'un réacteur à fusion standard d'avant-guerre. C'est une batterie longue durée, si vous voulez. Mais nucléaire. Du genre qu'utilisait l'armée et certaines sociétés privées dans le temps. Mais on peut pas y accéder. Et on sait où en trouver un. Il est au sous-sol, derrière une porte de sécurité. Écoutez, moi, je répare les trucs. Je bricole. Contourner les systèmes de sécurité, c'est pas vraiment mon truc. Mais vous, peut-être que vous pourriez essayer. Ça ne devrait pas être trop dur. Je vais voir ce que je peux faire. Excellent. Peut-être que la chance est en train de tourner. Une fois que vous aurez branché le réacteur sur l'armure assistée et que vous aurez récupéré le minigun, montrez aux pillards qu'ils ont fait l'erreur de leur vie. Bonne chance. Là-haut. Et chef, il y a quelqu'un là-haut. Pourquoi tu descends pas nous montrer ton joli flingue de plus près? Pas donner à tout le monde de tromper la vigilance de mes gars. Thank you.
C'était vraiment impressionnant. Je suis content que vous soyez de notre côté. Ça va aller pour vous, maintenant ? Oui, du moins pour quelque temps. Quand on s'est rencontrés, vous avez dit que ça vous faisait plaisir de nous aider. Vous avez tenu parole. Et on vous doit la vie. Alors tenez, ce n'est pas grand-chose, mais c'est la moindre des choses pour vous remercier. Je n'ai pas fait ça pour l'argent. Hé, hey, désolé. Je suis habitué aux gens qui ne voient que leur propre intérêt. Mais votre destinée ne s'arrêtera pas là, hein ? Ma destinée ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous êtes un homme hors du temps. Vous n'avez plus d'espoir, mais tout n'est pas encore perdu. Je sens l'énergie de votre fils. Il est toujours vivant. Où est mon fils ? Où est Sean ? J'aimerais bien le savoir, mais ce n'est pas comme si je le voyais. Je sens juste sa force vitale, son énergie. Et je sais qu'il est là, quelque part. Et je n'ai pas besoin de la vision pour vous dire où vous devriez commencer à chercher. Le beau diamant vert du Commonwealth. Diamond City. La plus grande ville à la ronde. Merci pour votre aide. Mais pouvez-vous me dire ce qui vous amène ici ? J'essaie juste de survivre. Comme tout le monde. J'ai du mal à le croire. Quand vous avez vu les ghouls, vous avez engagé le combat sans hésiter une seule seconde. Vous venez d'une communauté des environs ? Pourquoi toutes ces questions ? Je vous ai aidé à repousser ces ghouls. Ça devrait vous suffire. Vous n'avez pas tort. Pardonnez-moi d'être aussi méfiant, mais notre mission ici est de plus en plus compliquée. Depuis que nous sommes arrivés dans le Commonwealth, nous sommes assaillis de toutes parts. Si vous voulez continuer à nous donner un coup de main, nous serions heureux de vous compter parmi nous. Je veux bien vous aider, mais j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Qui êtes-vous vraiment ? Très bien. Je suis le paladin Dance, de la confrérie de l'acier. Et là, c'est le scribe Hélène et le chevalier Rhys. Nous sommes en mission de reconnaissance, mais j'ai un blessé et nous avons besoin de ravitaillement. J'ai essayé d'envoyer un SOS à mes supérieurs. Mais le signal est trop faible. Permission de parler, chef ? Accordé, Hélène. J'ai modifié l'antenne radio sur le toit du commissariat. Mais c'est toujours pas suffisant. Il faut trouver un moyen d'amplifier le signal. Notre cible est Arc Jet System. Notre mission, récupérer leur émetteur longue portée. Nous allons pénétrer dans le bâtiment, mettre la main sur l'émetteur et le rapporter ici. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Vous voulez prêter main forte à la confrérie de l'acier ? C'est un bon plan. Si on s'en sort vivant. Rassurez-vous. Je n'envoie jamais mes hommes au combat si je ne suis pas certain de les ramener en vie. Hélène, emmenez Rhys à l'intérieur et soignez-le. Tout de suite. Rhys, dès que vous serez remis sur pied, je veux que vous sécurisiez le périmètre. Compris. Quant à vous, vous allez nous montrer ce que vous avez dans le ventre. Allez vous ravitailler au commissariat et revenez me voir quand vous voudrez commencer. Allez tout le monde, exécution. Excusez-moi, Paladin Dance ? Nous pouvons y aller ? Oui. Formidable. Suivez-moi et ne traînez pas en route. Écoutez-moi bien. Pas d'étincelles, d'accord ? Je veux de la prudence et de la discrétion. Pas besoin de jouer les héros. Compris. Formidable. N'oubliez pas, notre cible prioritaire est l'émetteur longue portée. Concentrez-vous et faites attention aux lignes de tir. Je n'ai pas envie de me prendre une balle perdue entre les omoplates. C'est ce genre de corporations qui ont scellé le destin de l'humanité. Ils ont exploité la technologie pour engranger les bénéfices tout en fermant les yeux sur ses méfaits. Regardez ces épaules. Quelqu'un s'est déjà chargé du système de défense automatisé, on dirait. Tant mieux. Un problème de moins pour nous. Négatif. C'est très inquiétant. Regardez un peu. À une seule douille.
Pas une seule goutte de sang. Ces robots ont été attaqués par des synthétiques de l'Institut. L'Institut ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de chercheurs qui s'est erré dans l'ombre dès le début de la Grande Guerre. Ces dernières décennies, ils ont inondé le Commonwealth de cauchemars technologiques ambulants. Je serai sur mes gardes. Bien, on avance. Arrêtez-vous. Intrusion ! Mes capteurs détectent une présence ennemie. Votre élimination est nécessaire. Ah ! Je suis touché ! Bon sang ! Ils tiennent la salle de commande ! Ouvre le feu ! On peut dire qu'on a eu chaud. Mais mission accomplie. Bravo. Je trouve qu'on forme une belle équipe, vous et moi. Affirmatif. D'habitude, les civils sont incapables de suivre des ordres simples. C'est un changement agréable. Il nous reste deux points importants à régler. Première chose, si vous voulez bien me remettre l'émetteur longue portée, j'aimerais vous récompenser pour votre rôle dans la réussite de cette opération. Je pense que cette arme vous donnera entière satisfaction. C'est un fusil laser standard de la confrérie. Modifié par mes soins. J'espère qu'il vous sera utile. Ce n'est pas nécessaire, vraiment. J'insiste, gardez-le. La confrérie met toujours un point d'honneur à payer ses dettes. Et pour le deuxième point, je voulais vous faire une proposition. La mission ArcJet était tout sauf une promenade de santé. L'opération aurait pu tourner à la catastrophe, mais vous avez gardé votre sang-froid et agi en soldat. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Vous avez toutes les qualités requises. Vous avez donc le choix maintenant. Vous pouvez passer le reste de votre vie de combat en combat, pendant vos services aux plus offrants pour survivre. Ou vous pouvez vous engager dans la confrérie de l'acier et donner un sens à votre existence. Alors, qu'en dites-vous ? Ce serait un honneur de rejoindre la confrérie. C'est ce que j'espérais entendre. Retrouvez-moi au commissariat. Nous allons voir les détails ensemble. Vince, contente de vous voir sain et sauf. Vous avez une bonne nouvelle pour nous ? Mission accomplie. Nous avons l'émetteur. La chance nous sourit enfin. Beau travail, Paladin. Je n'étais pas tout seul. Hélène ? Rhys ? Souhaitez la bienvenue à la nouvelle recrue de la confrérie. Il a déjà fait ses preuves sur le terrain. S'il suit bien nos enseignements, je suis sûr qu'il sera promis un bel avenir parmi nous. Merci. Je promets de ne pas vous décevoir. Vous n'avez plus rien à prouver. La mission Dark Jet suffit amplement. Vous avez décidé de rester, finalement ? Je pensais que vous alliez juste empocher votre récompense et faire vos adieux. Allez, on est tous amis ici. Vous voulez un gros câlin pour faire la paix ? Vous pouvez jouer les durs tant que vous voulez, ça prendra pas. Il faudra plus qu'une seule petite mission pour m'impressionner. Rhys, ça suffit. Vous allez devoir apprendre à travailler ensemble, que ça vous plaise ou non. Et vous ? Vous allez devoir comprendre ce que rejoindre la confrérie implique. Nous ne sommes pas une bande de soldats du dimanche qui jouent à la guerre. Nous sommes une armée disciplinée, soumise à un code moral des plus stricts. Si vous voulez rester parmi nous, vous devrez suivre nos préceptes à la lettre. Ne vous en faites pas, j'ai servi dans l'armée. Parfait. Dans ce cas, je vais vous épargner les longs discours. Ce que j'attends de mes subordonnés tient en deux mots. Respect et honnêteté. Vous rentrez dans le rang et vous y restez. Je vous donne un ordre, vous le suivez. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il reste encore une dernière chose à régler. Je vais demander officiellement qu'on vous accorde le grade de chevalier. Attention, rien ne sera officiel tant que vous n'aurez pas parlé à l'aîné Maxson. Mais je ne pouvais pas résister à l'envie de vous l'annoncer. Merci. Inutile de me remercier, soldat. Continuez à accomplir votre devoir de manière exemplaire, ça suffira. Ad victoriam, chevalier. Il sait même pas ce que ça veut dire, Hélène. Ad victoriam, ça veut dire vers la victoire. Nous nous battons pour l'avenir de l'humanité. Le mot « défaite » ne fait même pas partie de notre vocabulaire. Notre cri de ralliement est plus fort que toutes les armes du Commonwealth. N'oubliez jamais ça. J'ai reçu des ordres. Nous devons nous présenter tous les deux à bord du Pridwen. Mais avant, n'hésitez pas à accomplir quelques missions pour le scribe Hélène ou le chevalier Rhys. Votre aide sera la bienvenue. C'est à vous de décider. Prévenez-moi quand nous pourrons partir. Thank you.
chercher Diamond City? Il suffit de suivre les panneaux. Comment ça, vous pouvez pas ouvrir la porte? Arrêtez de vous foutre de moi, Danny. Je suis en terrain découvert, là, bon sang. J'ai reçu l'ordre de pas vous laisser entrer, Mademoiselle Piper. Je suis désolé, je fais juste mon travail. Ah, vous faites juste votre travail! Alors maintenant, pour protéger Diamond City, il faut me laisser dehors, c'est ça? Attention, c'est la journaliste qui fait si peur à tout le monde! Je suis désolé, mais vous... Elmer est vraiment foudrage, Piper. Je l'ai entendu dire que votre article n'était qu'un ramassis de mensonges. Toute la ville est sans dessus-dessous. Bon, ça suffit! Ouvrez-moi tout de suite cette porte, Danny Sullivan! J'habite ici, vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'entrer! Je sais que vous m'entendez, Danny. Vous, là! Vous voulez entrer à Diamond City, pas vrai? Je viens juste d'arriver, mais... oui. Chut! Jouez le jeu, d'accord? Comment? Vous dites que vous apportez des marchandises de Quincy? Et que vous en avez assez pour approvisionner le magasin pendant un bon mois? Seul. Vous avez entendu ça, Danny? Alors, vous nous laissez entrer, ou vous vous chargez d'annoncer à cette folle de Myrna que c'est de votre faute si elle a pas toutes bon, ses provisions? D'accord. Mais c'était vraiment un coup bas, Piper. Laissez-moi une petite minute. Entrons vite, avant que ce bon vieux Danny ne comprenne que c'était du bluff. Cet endroit-là, Diamond City, qu'est-ce que c'est? Ah, le diamant vert. C'est une ville qu'il faut avoir vue au moins une fois dans sa vie. Tous les gens importants du Commonwealth se sont d'ici, s'y sont installés ou en ont été virés. Un grand mur, de l'électricité, le tout à l'égout, des écoles et même des gardes. Diamond City, on l'adore ou on la déteste. Vous aurez bientôt l'occasion de vous faire votre propre avis sur la question. Allons-y. Piper, qui vous a laissé entrer? J'avais pourtant dit à Sullivan de garder la porte fermée. Espèce de petite fouille merde. Le degré de malhonnêteté de votre journal est ahurissant. Je vais faire saisir votre presse pour la vendre en pièces détachées. Puis-je vous citer, monsieur McDonough? Le maire tyrannique veut museler la presse. Pourquoi ne pas demander à cette personne qui vient tout juste d'arriver? Vous êtes pour ou contre la liberté d'expression? Parce que notre mère souhaite l'acheter à la poubelle. J'ai toujours défendu la liberté de la presse. Oh, je ne tenais pas à vous entraîner dans cette dispute, mon bon monsieur. Non. Vous avez l'air d'avoir tout à fait votre place à Diamond City, vous. Bienvenue dans le beau diamant vert du Commonwealth. Une ville sûre et heureuse. Un choix excellent, si vous comptez vous y installer, ou même si vous avez juste de l'argent à dépenser. Ne laissez surtout pas cette petite fouille merde vous mettre ses idées tordues en tête. De toute façon, je compte pas rester longtemps. Ah, je constate que vous non plus, vous ne voyez le mal nulle part. Vous vous intégrerez parfaitement à nos incapables de garde. Vous venez dans notre belle ville pour une raison bien précise? Je cherche quelqu'un. Vous cherchez quelqu'un? Qui donc? Mon fils, Sean. Il n'a même pas un an. Attendez, votre fils a disparu? Oh, vous entendez ça, McDonough? Qu'est-ce que la sécurité de Diamond City va faire pour aider cet homme? C'est pas la première fois qu'on vous signale un enlèvement, sauf que là, c'est un bébé qui a été kidnappé. Ne l'écoutez pas. Évidemment, nos équipes de sécurité sont dans l'incapacité d'enquêter sur la totalité des affaires qui leur sont soumises. Mais je ne doute pas que vous trouverez de l'aide en nos murs. Diamond City offre tous les services possibles et imaginables. Nul doute qu'un de nos excellents concitoyens trouvera le temps de vous aider. Le maire d'une ville comme celle-ci doit connaître tout le monde. Qui serait le plus à même de m'aider? Eh bien, il y aurait bien l'un de nos concitoyens, Nick Valentine. Une sorte de détective privé, dont la spécialité est de retrouver des gens. Le plus souvent, ceux qui cherchent à disparaître pour ne pas régler leurs dettes, ce genre de choses. Bien, je dois y aller. Je regrette que la sécurité de Diamond City n'ait pas le temps de vous aider, mais je pense que les tarifs de Monsieur Valentine sont tout ce qu'il y a de plus raisonnable. C'est ridicule! La sécurité de Diamond City ne peut même pas envoyer quelqu'un pour aider! Je veux la vérité, McDonough. Pourquoi est-ce que la sécurité ne s'intéresse jamais à kidnapper? J'en ai plus qu'assez, Piper. Dernier avertissement. Continuez comme ça et vous aurez des ennuis, votre serez-vous. Continuez de parler, McDonough. Vous n'êtes bon qu'à ça, de toute façon. Impressionnant. C'est pas tout le monde qui peut arracher des informations à McDonough. Et si vous passiez à mon bureau en revenant de chez Valentine? Je crois bien que j'ai trouvé mon prochain article. Thank you.
comme Nick. Quelque chose ne va pas? Encore une âme perdue qui a besoin d'aide. Désolé, vous arrivez trop tard. Le bureau est fermé. Pardon, je reviendrai plus tard. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. On n'est pas fermé jusqu'à demain, c'est permanent. Le détective a disparu. Vous avez pensé à passer une annonce dans le journal? Si seulement c'était aussi simple. Nick a disparu alors qu'il travaillait sur une affaire. Le gang de Malone le chétif avait kidnappé une jeune femme. Et Nick a suivi leurs traces jusqu'à leur planque dans la station Park Street. Il y a un vieil abri là-bas qui leur sert de base. J'ai dit à Nick que c'était un piège, mais il s'est contenté de partir en souriant, comme d'habitude. Je vais le retrouver. Je vous le promets. Merci. Nick devrait être facile à reconnaître. Il porte toujours son trench et son vieux chapeau. Faites vite, je vous en prie. Bouge pas, synthétique! Qu'est-ce que t'as fait du vrai Riley? Où est mon frère? Je te jure que je suis pas un synthétique! Ne tire pas! On est de la même famille, merde! Posez cette arme tout de suite! C'est un synthétique! Il va tous nous tuer! Kyle! Non! Bon, le spectacle est terminé. Il n'y a aucun synthétique à Diamond City, vous m'entendez? Vous êtes tous parano! Je te le dis, moi. Se ranger avec la bande à Malone le chétif, c'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre. Regarde un peu cet endroit. Moi, je dis que Malone, c'est un tocard. On chope ce fouineur de détective, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il l'enferme. Comme s'il n'avait pas les couilles de le buter. Tiens! Merde, ça venait d'où ça? Alors, Valentine, t'as les crocs? Tu voudrais bien quelque chose à becter, hein? Pose toujours, abruti. Ça laissera plus de temps à Malone le chétif pour décider comment te faire la peau. Arrête ton char, Valentine. T'es qu'un minable qui sait que dalle. Tu crois ça? Pourtant, je l'ai vu écrire ton petit nom dans son carnet noir. Je crois même qu'il a dit « sale petit tricheur de mes deux ». Ensuite, il a barré le nom trois fois. Barré trois fois? Dans son carnet? Mais j'ai jamais... Oh, bon sang. Faut que je règle ça, et vite. Oh, je vais... Hey, vous! Je sais pas qui vous êtes, mais on a 3 minutes avant qu'ils réalisent que l'autre tas de muscles sans cervelle va pas revenir. Ouvrez cette porte! Ah, mon chevalier servant. Je me demande quand même... Pourquoi vous avez fait tout ce chemin et risqué votre peau pour un vieux privé? Mon fils, Sean, a disparu. Il a été enlevé. Mais je ne sais pas par qui, ni où ils l'ont emmené. Un gamin disparu? Alors vous avez frappé à la bonne porte. Ça fait des semaines que je suis coincé ici. Il se trouve que la fille que je devais retrouver n'a pas été kidnappée. Elle est à la colle avec Malone le chétif. Et elle a un sérieux pet au casque. Bref... Vous avez des problèmes, et je suis ravi de vous aider. Mais d'abord, tirons-nous d'ici. On causera plus tard. Bon, j'ai réussi, mais j'entends un pas lourd de l'autre côté. Dès qu'on franchit la porte, préparez-vous au pire. Nicky, mais qu'est-ce que tu fous? Tu te pointes chez moi, tu dégommes mes gars? Tu te rends compte de ce que ça va me coûter? Plains-toi à ta poulette, Malone. C'est à cause d'elle que je suis là. Tu devrais lui dire d'écrire à ses parents plus souvent. Oh, pauvre petit Valentine. T'as les boules de tête fellatées par une gonzesse? T'aurais voulu que je rentre bien sagement chez papa, c'est ça? T'aurais pas dû fourrer ton nez là-dedans, Nicky. On n'est plus dans notre vieux quartier. Ici, c'est moi, le boss. Tu piges? Et c'est pas un pauvre privé qui va nous faire fermer la boutique maintenant que les affaires reprennent. Je t'avais dit qu'on aurait dû le buter. Mais fallait que tu fasses dans le sentiment. Toutes ces conneries de bon vieux temps. Ma cache, ouais. Darla, tu la boucles, ok? Je m'en charge. C'est moi le patron, ici. Ah ouais? Alors qu'est-ce qu'il fout là, ce mec? Valentine a dû l'amener ici pour tous nous buter. Malone n'est pas pour toi, Darla.
Si tu lui colles une balle dans la tête, je te laisserai peut-être partir. La vache! T'es violent, toi. Désolé, bébé. Mais c'est fini, entre nous et pour toi. Sale garce, ça m'apprendra à me faire avoir par une paire de jolies guiboles. Mes vieux avaient raison. Désolé, madame. À la colle avec des guignols de vous voyez qu'il est plus léger avec tous ces trous dans le buffet. Remarquez, c'est pas long d'être quelque part. Adieu, mon vieux. À la santé du bon vieux temps. Tirons-nous d'ici. Il y a une échelle de service qui devrait nous ramener à la surface. Ah, le magnifique ciel du Commonwealth. J'aurais jamais cru être content de le voir un jour. Merci de m'avoir tiré de là. Mais comment vous m'avez trouvé? Il n'y a pas grand monde qui savait où j'étais parti. Votre secrétaire, Ellie, c'est elle qui m'envoie. Ah oui? Elle mériterait une augmentation. Bref, vous me disiez que votre fils, Sean, a disparu. Venez à mon bureau à Diamond City. Vous me raconterez tout ça en détail. En plus, ça vous donnera l'occasion de vous reposer et de vous vider la tête. Je vous suis, Nick. Ok, allons-y, Fissa. Quand on essaie de retrouver quelqu'un, le moindre détail compte. Dites-moi tout ce que vous savez, même si c'est difficile. On est à la recherche de mon fils, Sean. Il n'a même pas un an. Pourquoi enlever un bébé? Bonne question. Pourquoi votre famille et pourquoi un enfant? Ces ravisseurs vont devoir s'en occuper. Et garder un bébé, c'est du boulot. Vous pouvez m'en dire plus? On était dans un abri quand c'est arrivé. L'abri 111. Un genre de complexe cryogénique. Vous aviez été cryogénisé. Plus important encore, vous étiez confiné sous terre. Ça demande beaucoup d'efforts juste pour enlever une personne. Vous vous souvenez d'autre chose? Il y avait un homme et une femme. Ils n'ont pas dit grand-chose, mais je me rappelle les avoir entendus m'appeler le plan B. Une équipe restreinte, alors. Des professionnels, le genre qui lâche pas un mot de trop pendant une opération. Je me demande ce qu'ils voulaient dire par plan B. Ça confirme mes craintes. C'était pas un hasard. Votre fils a été enlevé dans un but précis. C'est pas les kidnappeurs qui manquent dans le Commonwealth. Les pillards, les super-mutants, les artilleurs, sans parler de l'Institut. Vous pensez que c'est l'Institut qui a fait le coup? Disons que c'est un peu le croque-mitaine du Commonwealth. Dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde accuse l'Institut. Rien d'étonnant. Leur premier modèle de synthétique désosse des villes entières pour récupérer des matériaux et massacre tout sur leur passage. Et il y a les modèles plus récents, impossibles à distinguer des humains, qui infiltrent les villes et tirent les ficelles dans l'ombre. Le pire, c'est qu'on sait même pas pourquoi ils font ça, ni où ils se cachent. Même moi, un synthétique, j'ai aucune information. Enfin, je suis qu'un prototype mis au rebut. Vous êtes un prototype? Je crois bien, oui. J'ai jamais croisé d'autres synthétiques comme moi. Il y a les vieux modèles tout en métal, avec une IA de dinosaure, et les nouveaux qui sont pratiquement humains. Moi, je suis entre les deux. Quoi qu'il en soit, je dois retrouver Sean. Vous avez raison, inutile de se perdre en suppositions. Concentrons-nous plutôt sur ce que vous avez vu. À quoi ressemblaient les ravisseurs? La femme portait une espèce de combinaison étanche. L'homme, il avait une sorte d'appareil en métal sur le bras. Une protection improvisée, peut-être? Beaucoup de porte-flingues en ont. Ils pensent que ça leur donne l'air coriace. Intéressant, la combinaison. Pas le genre de matos à la portée du premier mercenaire venu. Je n'oublierai jamais cette voix. Grave. Rugueuse. Comme si on vous passait du papier de verre sur les tympans. C'est léger, mais une voix forte, ça peut toujours servir quand on veut faire son trou dans le monde du crime. L'un d'eux s'est approché de moi. Il était chauve, avec une cicatrice sur l'œil gauche. Attendez, c'est quand même pas... Vous avez pas entendu quelqu'un prononcer le nom de Kellogg, hein? Qui est-ce? Vous pensez que c'est lui qui détient Sean? Un peu trop gros pour être une coïncidence. Ellie, tu peux regarder ce qu'on a sur l'affaire Kellogg? La description correspond. Crâne rasé, cicatrice, mercenaire impliqué dans des missions dangereuses. Mais personne ne sait qui l'emploie. Et il a acheté une maison ici, c'est ça? Il me semble qu'il avait aussi un enfant avec lui. Oui, c'est ça. La maison des gradins ouest abandonnée. Le garçon qui l'accompagnait devait avoir 10 ans.
Vous avez dit qu'il vivait ici? Il est toujours dans cette ville? Si je me souviens bien, ils ont disparu il y a un moment. Mais la maison est toujours là. On va aller faire un petit tour à l'ancienne adresse de l'ami Kellogg. On trouvera peut-être quelque chose d'intéressant. La sécurité ne s'aventure pas trop dans ce quartier, mais... soyez quand même prudent. Je le suis toujours. On y est. Surveillez nos arrières, ok? Je vais essayer d'ouvrir cette porte. Dans le tour du propriétaire, Kellogg a peut-être laissé traîner quelque chose. De la Gwinnett Stout, des munitions calibre 44, et des cigares San Francisco Sunlight. Elle est pas mal, cette marque. Par contre, ça va pas nous mener loin. Je me demande si Canigou pourrait pister l'odeur. Hey, pas bête. Certains chiens du Commonwealth sont capables de flairer un homme à des kilomètres. Canigou a l'air d'accord. Essaie-le donc renifler ça. Il réussira peut-être à pister l'odeur. Juste une chose, je sais que c'est une affaire personnelle. Si vous préférez retrouver Kellogg vous-même, dites-le. Je comprendrai. J'ai besoin de votre aide, Nick. Bien sûr. On va le retrouver, cet enfoiré. À partir de maintenant, c'est vous qui prenez les commandes, d'accord? Je suis à vos ordres. Canigou, vas-y, sens-moi ça. T'as une piste, mon grand? Y est. Canigou, il est là? Je savais que Canigou allait retrouver notre homme. On va prendre la suite, vous et moi. Notre ami quadrupède a bien mérité un peu de repos. Je ne m'attendais pas à vous voir frapper à ma porte. Je vous donnais une chance sur deux d'arriver à Diamond City. Pour le reste, je pensais que le Commonwealth allait vous bouffer tout cru. Alors le voilà, l'homme le plus difficile à abattre du Commonwealth. C'est marrant. Je pensais que ce titre me revenait officiellement. Espèce d'assassin psychopathe. Sale voleur d'enfants. Rendez-moi mon fils. Rendez-moi Sean. Tout de suite. Droit au but, hein? D'accord, ça me va. Oui, votre fils, Sean. Un gamin super. Un peu plus grand que dans vos souvenirs, peut-être. Mais je pense que vous l'avez compris. Tout le monde adore les retrouvailles émouvantes. Mais je vais vous décevoir. Le gamin n'est pas ici. Dites-moi où il est, bordel! D'accord. Je vous dois bien ça, après tout. Sean est en sécurité dans un endroit confortable, où il sera protégé et aimé. C'est sa nouvelle famille, maintenant. L'Institut. Où il est? Cet Institut. Comment le trouver? Vous n'avez rien écouté ou quoi? Personne ne trouve l'Institut. C'est l'Institut qui vous trouve. Quand on regarde sous le lit, on ne trouve que de la poussière. On ne voit jamais le monstre qui se cache dessous. Jusqu'à ce qu'il vous saute à la gorge. Mais assez parlé, on sait tous les deux comment ça va finir. Alors, on passe aux choses sérieuses? Quand je finirai par mourir, j'espère que j'irai en enfer pour vous retrouver. Et vous tuer encore, et encore. Sale ordure. Oh oui. Pas m'énerver. Pas mal. Vous vous débrouillez mieux que prévu. Au travail, ce fumier fera plus jamais de mal à personne. On devrait fouiller les lieux. On trouvera sûrement quelque chose d'intéressant. Kellogg avait des amis au placé, ça fait aucun doute. Kellogg racontait pas des salades alors? Votre fils est vraiment à l'Institut. Dire que je sais même pas où c'est alors que c'est là qu'on m'a fabriqué. Tiens donc, notre ami aux mains de ferraille ne s'est pas retourné au bercail? Non, j'ai dû rater la séance d'orientation quand ils m'ont mis en pièce avant de me remonter.
On est au pied du mur, là. Il faut prendre du recul, voir les choses autrement. Je connais qu'une seule personne qui pourrait vouloir fouiller dans les petites affaires de l'Institut. Docteur Amari ? Oui, j'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. On a besoin de votre aide, docteur. Je dois accéder aux souvenirs d'un homme appelé Kellogg, mais... il est mort. Je sais qu'on demande l'impossible à Amari, mais vous n'en êtes pas à votre premier miracle. Vous êtes complètement malades, tous les deux. Sans parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre, est-ce que vous savez que les simulateurs mémoriels nécessitent un cerveau intact et vivant ? Je vous en supplie. Nick m'a dit que vous étiez notre seul espoir. Ce cerveau contient des informations sur l'Institut Amari, le plus grand secret scientifique du Commonwealth. Vous en rêvez autant que nous. D'accord. Je vais jeter un œil. Mais je ne vous garantis rien. Est-ce que vous l'avez apporté ? Voilà ce que j'ai pu récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas un cerveau. C'est... attendez. C'est l'hippocampe. Et ce dispositif fixé dessus ? Une interface neuronale ? J'ai déjà vu ces circuits quelque part. Ça ne m'étonne pas. D'après ce que j'ai pu observer, toutes les technologies de l'Institut ont la même architecture. Continuez, docteur. Monsieur Valentine est un synthétique d'ancienne génération. Mais, vu la nature des technologies de l'Institut, l'implant cérébral pourrait être compatible. Mais c'est un risque énorme. On parle de brancher un élément étranger sur son cerveau. Vous faites pas de bile pour moi, Marie. Ça fait un bail que je suis plus sous garantie. Merci beaucoup, Nick. Vous me remercierez quand vous aurez retrouvé votre fils. Allez, c'est parti. Voyons voir. Continuez à me parler, monsieur Valentine. Le moindre changement au niveau de vos fonctions cognitives pourrait avoir des conséquences graves. Est-ce que vous vous sentez différent ? Je vois beaucoup de flashs. Des images brouillées. Je ne distingue rien de précis, Doc. C'est ce que je craignais. Les empreintes mnémoniques sont cryptées. L'Institut n'a pas pu s'empêcher de poser un ultime verrou de sécurité. Les souvenirs de l'implant sont protégés. Dites-moi que vous avez une solution, docteur. Laissez-moi réfléchir. Le cryptage est trop puissant pour un seul esprit. Mais on pourrait essayer avec deux. On va vous installer dans une station mémorielle aux côtés de Monsieur Valentine et mettre vos fonctions cognitives en parallèle. Il fera office d'hôte, pendant que votre conscience explorera tous les souvenirs qu'on pourra trouver. D'accord. Allons-y. Asseyez-vous là et... croisez les doigts. Vous m'entendez ? Ah, parfait. La simulation semble fonctionner, bien que la plupart des souvenirs soient incomplets. Je vais essayer de vous connecter aux souvenirs intacts en espérant que l'un d'entre eux puisse nous indiquer où trouver l'Institut. Monsieur Kellogg, ravi que vous ayez accepté de me rencontrer. Alors vous êtes avec l'Institut. Je voulais voir par moi-même si vous existiez vraiment. C'est le cas, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous voulez ? On m'a fait remarquer que vous avez tendance à perturber nos opérations ces derniers temps. Il faut que ça cesse. Je fais ce que mes clients demandent. Si ça vous pose un problème, je ne vois qu'une seule solution. Et quelle est-elle, Monsieur Kellogg ? Si je travaille pour vous, il n'y aura plus de problème. D'après ce que je sais, vous en avez les moyens. Je crois que vous ne saisissez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je crois que si. Très bien. B-748, initialisation. Impressionnant. On a peut-être quelque chose pour vous, finalement. On chauffe. L'un de ceux-ci aura forcément quelque chose à nous dire. Procédure manuelle enclenchée. Stase cryogénique interrompue. Les ordinateurs de l'abri fonctionnent toujours. Tant mieux. Je vérifie les registres. J'espère que tout est... Cherche et tais-toi. Capsule C6, au bout du couloir. C'est celle-ci. Ouvre. Ah.
tout va bien? Ne vous inquiétez pas. Viens, viens me voir, mon chéri. Je m'occupe de lui. Lâchez le bébé. Je ne le répéterai pas. Je ne vous donnerai pas chance. Nom de Dieu. Emmène le gamin, on s'en va. Au moins, il nous reste le plan B. Séquence cryogénique réinitialisée. Qu'est-ce que tu attends? C'est presque fini, Kellogg. Il faut juste que je confirme. Voilà, c'est bon. Je suis vraiment désolé que vous ayez dû revivre ça. C'est votre fils? Ce souvenir a l'air très récent. C'est une bonne nouvelle, je dirais. Kellogg. C'est bon. Un jour, quelqu'un va te faire sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir. Je suis censé limiter mon contact avec les civils au maximum. Oublie ce que j'ai dit. Alors, quel est le problème urgent, cette fois? J'ai de nouveaux ordres pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'Institut. Quitté? C'est-à-dire? C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Virgil. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer luminescente. Voilà son dossier. Merde, il y a des têtes qui vont tomber. Je le capture et le ramène ou je l'élimine? Il faut l'éliminer. Il travaillait sur un projet classé top secret. Sans blague. Une des grosses têtes de biosciences? Merde. Bon, je suppose que tu vas ramener le gamin. Affirmatif. Ta seule mission est de trouver Virgil et de l'éliminer. Vous allez me ramener chez mon papa? Oui. Viens à côté de moi et ne bouge pas. D'accord. X-688, prêt pour accès avec Sean. Au revoir, monsieur Kellogg. J'espère qu'on se reverra un jour. Salut. Il se téléporte. Je comprends mieux. Personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'Institut parce qu'il n'y a pas d'entrée. Je vais vous faire sortir de là. Allez-y doucement, d'accord? Je ne sais pas quels effets secondaires cette procédure peut induire. C'était une grande première. Vous allez bien? Ça va, docteur. Merci. Très bien. Mais je veux que vous surveilliez votre état. On doit s'assurer qu'il n'y a pas d'effet sur le long terme. Bon. Et si on parlait de ce que vous avez vu? On a trouvé ce qu'on cherchait. Ils utilisent la téléportation pour entrer et sortir de l'Institut. Oui. Leur plus grand secret a enfin été découvert. Mais ça n'amène que de nouvelles questions. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce scientifique que Kellogg devait éliminer, Virgil, on doit le retrouver. C'est vrai. Un scientifique de l'Institut en fuite pourrait répondre à nos questions. Il est censé être allé à la mer luminescente, c'est ça? Mais c'est insensé. Personne n'irait là-bas, même dans la pire des situations. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend la mer luminescente si dangereuse? Tout est dans le nom. La radioactivité est tellement élevée que rien ne peut y vivre. Rien d'amical, en tout cas. Il n'est pas impossible de traverser des zones radioactives, mais la mer luminescente peut tuer un homme en quelques secondes. C'est pour ça que j'ai du mal à croire que Virgil ait pu se réfugier dans cet enfer. Rien que les radiations... Si on doit retrouver Virgil, j'irai quand même. Si vous comptez y aller, préparez-vous bien. Vous aurez besoin de protection contre les radiations. Cette mer porte bien son nom. Je trouverai une solution. Ne vous inquiétez pas. Bonne chance. Et... faites attention. Au fait, j'ai débranché Monsieur Valentine en premier. J'ai retiré son implant pendant que vous vous réveilliez. Il vous attend à l'étage. Oh, Valentine. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans ma tête. Kellogg? C'est vous? Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez parlé comme Kellogg. Sans blague? C'est vrai qu'Amari a dit qu'il pouvait rester des résidus mémoriels. En tout cas, je me sens très bien. Il est temps de mettre les voiles.
Je peux aussi rentrer à Diamond City, si vous voulez, vu que vous avez déjà de la compagnie. Allons-y, Nick. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer, tous les deux. Je me demande ce qui nous attend, maintenant. Habitants du Commonwealth, merci de ne pas perturber nos opérations. Nos intentions sont pacifiques. Nous sommes la confrérie de l'acier. Scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps plein d'étonnement, de crainte, de doute. La gloire d'Atom s'étendra à nouveau sur le monde. Pardon. Qu'Atom vous bénisse dans son rayonnement. Arrêtez-vous, je vous prie. Vous approchez des terres sacrées d'Atom. Que faites-vous ici? Énoncez vos intentions ou vous subirez sa fragmentation. Je suis là parce que j'ai besoin de votre aide. Vous cherchez la fragmentation? Êtes-vous là pour fusionner avec Atom et contempler sa gloire infinie? Où cherchez-vous à éliminer ces fidèles? Je cherche quelqu'un, un certain Virgile. Virgile? Ah oui, nous connaissons ce Virgile. Qu'est-ce que vous lui voulez? Il a des informations dont j'ai besoin. Je vois. En réalité, Virgile nous a donné quelques motifs d'inquiétude. Certains pensent que sa présence est un affront à Atom. Bien qu'il vienne parfois faire du commerce avec nous, nous avons très peu de contact avec lui. Il est clair qu'il souhaite qu'on le laisse tranquille. Vous le trouverez au sud-ouest du cratère, dans une grotte. Si j'étais vous, je resterais sur mes gardes. Je crois qu'il n'aime pas les visiteurs. On ne bouge plus. Restez où vous êtes. Pas de gestes brusques. Je sais que vous venez de l'Institut. Je ne suis pas bête. Je savais qu'il l'enverrait à mes trousses. Calmez-vous. Kellogg est mort. Mort. Il est... mort. Ne me prenez pas pour un idiot. Je ne mens pas. Je l'ai tué moi-même. Vraiment? Kellogg était impitoyable. C'est bien pour ça que l'Institut l'a employé toutes ces années pour faire son sale boulot. Je savais qu'il l'enverrait m'éliminer. J'ai essayé de m'y préparer, mais... je n'étais même pas sûr de pouvoir m'en sortir. Et donc, vous l'avez tué, hein? Alors, qu'est-ce que vous me voulez? Du calme. Je veux simplement savoir comment accéder à l'Institut. Attendez, quoi? C'est une blague. Vous voulez entrer dans l'Institut? Vous avez perdu la tête. Admettons que ce soit possible. Même si vous réussissiez à entrer, il vous tuerait avant que vous ayez le temps de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à prendre un risque pareil? Ça n'a pas d'importance. D'accord. Vous savez quoi? Je n'ai même pas envie de savoir. Si vous voulez vous faire tuer... c'est votre problème. Mais je vous préviens, c'est tout ce qui vous attend. Je peux vous aider à y entrer, mais je veux quelque chose en échange. Vous m'aidez, et je vous rendrai l'appareil. Très bien. Si je vous aide, vous allez faire quelque chose pour moi. Avant d'être obligé de m'enfuir, je travaillais sur un sérum capable d'inverser cette mutation. Il pourrait me faire redevenir normal, vous comprenez ? Donc, si vous allez là-bas, je voudrais que vous le récupériez dans mon ancien bureau.
et que vous me le rapportiez. Je crois que c'est un marché raisonnable, en échange de mon aide. D'accord ? On va discuter des détails. Avant tout, est-ce que vous savez comment les synthétiques entrent et sortent de l'Institut ? Ouais. Ils utilisent une sorte de téléporteur. Tiens, tiens. Peu de gens le savent. C'est un secret bien gardé. Je vois que vous n'avez pas manqué de vous renseigner. On appelle ça un relais moléculaire. Je ne comprends pas tout à fait son fonctionnement, mais ça marche. Le système vous dématérialise, puis vous rematérialise ailleurs. Je sais que ça a l'air fou, mais c'est la vérité. Ce relais est le seul moyen d'entrer et de sortir de l'Institut. Vous comprenez ? Le seul. Ça veut donc dire que vous allez devoir l'utiliser. Ensuite, est-ce que vous avez déjà vu un chasseur de l'Institut ? Un chasseur ? C'est quoi ? Encore un secret de l'Institut. Les chasseurs sont des synthétiques de l'Institut conçus dans un seul but. Tuer. Une mission tourne mal, un synthétique manque à l'appel. On envoie un chasseur. Ils sont extrêmement doués, et vous allez devoir en tuer un. D'accord. Dites-moi simplement où aller. Je suppose que votre enthousiasme est une bonne chose. Les chasseurs sont dotés d'un composant spécial qui permet une connexion directe au relais de l'Institut. Il est intégré à une puce dans leur tête. Il vous faut cette puce. Et le seul moyen, c'est de la prendre à un chasseur. Par contre, je ne sais pas trop où vous pourrez en trouver un. Ils n'en ont pas envoyé à mes trousses. Et attendre ici ne changera rien à la situation. Il va falloir que vous en traquiez un. Je peux vous dire où commencer et vous aider à le localiser. Mais vous devrez faire le sale boulot. D'accord. C'est parti. Bien. Le point d'entrée principal des chasseurs se trouve dans les ruines du CIT, juste au-dessus de l'Institut. C'est là-bas que vous devez aller. Le relais provoque de fortes interférences sur l'ensemble du spectre électromagnétique. Votre Pip-Boy est équipé d'une radio, non ? Une fois dans les ruines, réglez-la sur une fréquence assez basse et écoutez. Vous entendrez les interférences. Suivez le signal, et il vous mènera à un chasseur. Ensuite, il faudra juste... évitez de mourir. Je ne vais pas vous mentir. Vous avez peu de chance. Mais si vous réussissez, n'oubliez pas mon sérum. J'en ai vraiment besoin. J'espère sincèrement que vous trouverez ce que vous cherchez. Deuxième intrus dans l'aile est, près de la cour. Quoi ? Allez pas me chercher ! Le chasseur en veut à la fille. Ceux qui sont encore en vie, foncez au dernier étage. Au trop ! C'est un ordre. Manifestement, tu ne sais pas approcher. Vous êtes ici pour la synthétique ? Oui, je suis là pour aider la synthétique. Et vous croyez que je vais vous la donner comme ça ? Ça fait un moment que vous me suivez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Mais c'est qui, cette synthétique ? C'est une fugitive, propriété de l'Institut. Je dois la désactiver et la ramener. Quant à vous, vous allez mourir comme tous les autres. À l'avenir, évitez de nous sous-estimer. Vite !
me donner un coup de main ? Qui êtes-vous ? L'Institut m'a donné le matricule K198, mais je préfère Jenny. Je suis une synthétique, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Je savais qu'ils allaient m'envoyer un chasseur, mais je pensais pas qu'ils me retrouveraient si vite. J'aurais sûrement réussi à lui échapper, mais je me suis fait capturer par ces... mercenaires. Vous connaissez la suite. Encore merci pour le coup de main. Je vais essayer de récupérer du matériel avant de partir. Et au cas où vous vous poseriez la question, non, je n'ai plus besoin de votre aide. Le Commonwealth, c'est tout sauf un camp de vacances. Je dois apprendre à m'en sortir toute seule ou je suis fichue. On se reverra peut-être, dans de meilleures circonstances, j'espère. Qui a gagné la guerre, à votre avis ? Personne, j'imagine. Ravi de vous revoir. La mer luminescente, Virgile, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai retrouvé Virgile. Il sait comment accéder à l'Institut. Mais il me faut un code intégré à la puce d'un chasseur. La puce d'un chasseur ? Vous avez combattu un chasseur ? Mince alors. Malheureusement, je ne peux pas vous aider. J'ai travaillé sur pas mal de synthétiques, mais jamais de chasseurs. Je ne sais rien de ce genre de puce, et encore moins comment les décrypter. Par contre, il y a des gens qui le savent peut-être. Je travaille avec un groupe. Disons que ce sont les seuls que je connaisse qui pourraient tenter de pirater les protocoles de sécurité de l'Institut. On les appelle le réseau du rail. Merci, docteur. Comment je peux les trouver ? Je ne peux pas les contacter directement. En général, ce sont eux qui viennent me voir quand ils ont trouvé un synthétique qui s'est échappé de l'Institut et qui veut de nouvelles mémoires. Cela dit, ils m'ont donné une phrase codée à utiliser si jamais j'ai besoin d'eux. Suivez le chemin de la liberté. Très bien. Je les trouverai. Bonne chance. Et désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus. J'espère que vous réussirez à démêler tout ça au fur et à mesure. Bienvenue à Boston Common, Patriote. C'est ici que commence le chemin de la liberté. Ouvrez grand vos oreilles pour découvrir l'histoire de ce parcours ainsi que celle de ce parc historique. Parle-moi du chemin de la liberté. À partir d'ici, suivez la ligne rouge à travers les rues de notre belle ville. Des balises sont placées sur le chemin à l'emplacement de nombreux sites historiques. Visitez la maison de Paul River, l'église d'Old North Church, le vieux parlement, Bunker Hill, ainsi que de nombreuses autres merveilles. Et voilà. Pas un geste. Vous n'avez pas ménagé vos efforts pour arranger cette rencontre. Mais avant d'aller plus loin, vous allez répondre à mes questions. Qui êtes-vous ? Et si vous commenciez par me dire qui vous êtes ? Dans ce monde de suspicion, de trahison et de chasseurs, nous sommes les seuls amis des synthétiques.
On nous appelle le réseau du rail. À vous maintenant. J'ai suivi le chemin de la liberté pour trouver le réseau du rail. Je n'ai rien contre vous. Si c'est vrai, vous n'avez rien à craindre. Qui vous a expliqué comment entrer en contact avec nous? C'est le docteur Amari qui m'a dit où vous trouver. Très intéressant. Dernière question. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai pisté et abattu un chasseur à GreenTech Genetics. Et j'ai besoin d'aide pour décrypter le code de sa puce. Vous savez quoi? J'espère que ce n'est pas une plaisanterie. Je savais pas qu'on faisait la fête. Et mon invitation alors? Oh, je vois que vous avez invité l'as du dégommage de chasseur. Sympa. Deacon, t'es en retard. Tu dis qu'on a affaire à quelqu'un qui a réussi à tuer un chasseur. Sans aide? Même Glory en baverait. T'es pas au courant? Ce type a déjà une réputation dans le coin. Si t'as fini de l'interroger, vaudrait peut-être mieux faire preuve d'un peu de courtoisie à son égard. Je vous dois des excuses. Tous ceux qui nous débarrassent des chasseurs sont mes amis. Je m'appelle Desdemona. Et c'est moi qui dirige le réseau du rail. Qui êtes-vous, au juste? Dans ce monde de suspicion, de trahison et de chasseurs, nous sommes les seuls amis des synthétiques. Des, il faut qu'on le laisse entrer. Il a une puce de chasseur intacte, putain. Et les protocoles de sécurité? Mais on s'en fout. Il a tué un chasseur. C'est bien la preuve qu'il bosse pas pour l'Institut. On va vous laisser entrer dans notre quartier général. Aucun inconnu n'a eu ce privilège avant vous. On discutera de votre puce à l'intérieur. T'as besoin de quelque chose? Tom, notre camarade a une puce de chasseur. Non, sans blague! La vache, ça fait un bail! Bien, mettons les choses au clair. Tom peut vous obtenir ce code. Mais ensuite, la puce est à nous. D'accord. Tenez. À toi de jouer, Tom. Montre un peu ce que tu sais faire. Attendez, je vous le mets sur holoband. Bien joué, Tom. Pas sûr qu'on ait autant de chance le prochain coup, Dez. Commence à te pencher sur le reste de la puce. Quant à vous, j'aimerais beaucoup retravailler avec vous. Si ça vous intéresse, faites-moi signe. Mais que ce soit bien clair. Si vous utilisez ces données et découvrez quoi que ce soit sur l'Institut, vous nous en parlez en priorité, ou nos relations risquent d'en pâtir sérieusement. Alors, vous avez réussi? J'ai le code. J'aurais dû m'en douter. Après tout, vous nous avez bien débarrassés de Kellogg. Éliminer un chasseur, ce n'est pas beaucoup plus difficile. Comment vous avez réussi à la décrypter? J'ai fait appel au réseau du rail. Oh, cette bande de dingues. Moi qui pensais qu'ils passaient leur temps à venir en aide aux distributeurs automatiques ou aux ordinateurs en difficulté. Désolé, ils n'ont pas une réputation très glorieuse. Moi non plus, je n'ai pas chômé. J'ai fait tout ce que j'ai pu en fouillant dans mes souvenirs et dans toutes les informations que j'ai pu glaner au fil des ans. Et voilà les plans que j'ai pu en tirer. J'ai eu du mal avec ces mains. Elles ne sont pas faites pour du travail de précision. Pour faire simple, vous allez devoir assembler un appareil capable de pirater le signal utilisé par l'Institut pour téléporter ces chasseurs, de manière à ce qu'ils vous téléportent à leur place. Vous savez ce qui est le plus fou? Cette station de musique classique. Ces ondes servent de signal porteur pour le relais. Toutes les données sont codées en fréquence harmonique. Tout le monde les entend. Je tiens à préciser que ce n'est pas mon rayon. Je travaille en biosciences, pas en ingénierie ni en système avancé. Je sais que ça va marcher. Attention, je ne vous garantis rien. Mais si vous pouvez fabriquer cet appareil et utiliser le code, vous devriez pouvoir pirater le signal du relais de l'Institut. Vous en êtes capable? Vous connaissez des gens qui pourront vous aider? C'est un sacré boulot pour une seule personne, même comme vous. J'ai la situation bien en main. Allez, prenez ça et mettez-vous au travail. Faites le nécessaire. Faites-vous aider par qui vous voulez. Notre dirigeable s'appelle le Pridwen. Il transporte assez de troupes et de matériel pour lancer une opération de grande envergure. S'il est là, c'est que l'aîné Maxon est là. Et ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Nous sommes en guerre. Qui est l'aîné Maxon? Maxon est le commandant en chef de cette division de la confrérie de l'acier. C'est un modèle et un exemple pour tous les soldats de la confrérie. Si nous partons en guerre, je peux vous garantir qu'il sera en première ligne pour lancer l'assaut. Quoi qu'il en soit, vous allez bientôt faire plus ample connaissance avec le Pridwen. J'ai reçu des ordres. Nous devons nous présenter tous les deux à bord. Suivez-moi sur le toit du commissariat. Je vous offre un petit tour de manège. Commonwealth a un tout autre visage, mais d'ici, vous ne trouvez pas? Je suis toujours étonné de constater à quel point notre vision du champ de bataille est
est différente depuis les airs. Cet avantage tactique sera sûrement primordial dans notre combat contre l'Institut. Leur supériorité technologique n'est plus à prouver. Et personne ne peut dire quelles armes terrifiantes ils ont à leur disposition. Permission de monter à bord, capitaine ? Permission accordée. Heureux de vous revoir parmi nous, Paladin. Permettez-moi d'être le premier à vous féliciter pour la réussite de votre mission. Et voici notre nouvelle recrue, si je ne m'abuse. Oui, capitaine. Je l'ai promu au grade de conscrit. Et j'aimerais superviser personnellement son intronisation. Oui. Nous avons lu vos rapports. Vous serez ravi d'apprendre que l'aîné Maxon a accédé à votre demande et placé la recrue sous votre responsabilité. Merci, capitaine. Quels sont mes ordres ? Vous resterez à bord du Prydwen en attente de nouvelles instructions. Très bien, capitaine. Ad victoriam, capitaine. Ad victoriam, Paladin. Voici donc la recrue que le Paladin Dance a pris sous son aile. Vous n'avez pas l'air d'un soldat. Les apparences sont parfois trompeuses. Précisément, c'est pourquoi j'insiste pour examiner scrupuleusement toutes les recrues qui posent le pied sur cet aéronef. J'ai parcouru les rapports du Paladin Dance. Il a l'air persuadé que vous ferez une excellente recrue pour la confrérie. Vous pensez peut-être qu'un tel soutien vous donnera droit à un traitement de faveur. Mais je vais être très clair avec vous. La confrérie de l'acier est venue au Commonwealth dans un but bien précis. Je me fiche de savoir si vous êtes le messie réincarné, le dernier espoir de l'humanité ou je ne sais quoi encore. Je ne laisserai personne mettre notre mission en péril. Est-ce bien clair ? Absolument. Bien. C'est tout pour le moment, soldat. Vos ordres sont les suivants. Présentez-vous sur la passerelle de commandement pour assister au discours. Après ça, l'aîné Maxon souhaiterait vous parler. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. Sinon, vous pouvez disposer. Je n'ai pas de questions. Alors je vous suggère de vous rendre immédiatement sur la passerelle de commandement. Rompez, conscrit. Frères et sœurs de la confrérie de l'acier, la route qui nous a menés jusqu'ici fut longue et semée d'embûches. Sans votre travail acharné et vos efforts redoublés, nous n'aurions jamais pu mettre un pied au Commonwealth dans des délais aussi courts. Vous avez accompli cet exploit alors que vous ignoriez totalement le but de cette entreprise. Et mieux encore, vous l'avez fait sans vous poser la moindre question. Maintenant que nous sommes arrivés à destination, l'heure est enfin venue de vous révéler les détails de notre mission. Les entrailles du Commonwealth sont rongées par un cancer. Un cancer qui porte le nom de l'Institut. Une tumeur insatiable qui doit être anéantie avant qu'elle puisse infecter toute la surface. Les scientifiques de l'Institut ont mis au point une technologie terrifiante qui pourrait exposer l'humanité à un nouveau cataclysme global. Le second de notre courte histoire. Ils ont créé une arme dont le pouvoir de destruction dépasse de loin celui de la bombe atomique. Cette arme, ce sont les synthétiques, des abominations robotiques qui pensent, agissent et se présentent à nous comme des êtres humains. Donner un libre arbitre à une machine représente non seulement un affront fait à l'humanité, mais aussi un terrible danger. Et tout comme le pouvoir de l'atome, cette nouvelle découverte menace l'espèce humaine tout entière. Je n'ai aucunement l'intention de laisser l'Institut poursuivre dans cette voie. L'Institut et ses synthétiques sont donc considérés comme des ennemis de la confrérie de l'acier et doivent être traités comme tels, avec toute la force nécessaire et sans la moindre pitié. Cette campagne sera menée au prix de nombreuses vies irremplaçables. Mais quand tout sera terminé, nous aurons la fierté d'avoir sauvé l'humanité de son plus terrible ennemi. Elle-même. Ad victoriam. Ad victoriam. Ad victoriam. Spice. C'est vraiment pour eux que je fais tout ça, vous savez. Je veux aider la population du Commonwealth. Je n'en doute pas. Ils jouent avec le feu et on doit les protéger. Exactement. J'espère seulement que nous n'arrivons pas trop tard. Je refuse de laisser l'histoire se répéter. Inutile de vous justifier. Je vous crois. Le Paladin Dance a clairement fait état de vos convictions vis-à-vis de la confrérie dans ses rapports. Il estime que vous serez un excellent atout pour nous. Vous ne pourriez espérer meilleure recommandation. C'est un de mes officiers de terrain les plus respectés. C'est pourquoi j'ai décidé de vous promouvoir au grade de chevalier. Conformément à votre rang,
Nous vous remettons une armure assistée pour vous protéger au combat. Portez-la avec fierté. Je tâcherai de m'en montrer digne. Je n'en doute pas une seule seconde. Je vais maintenant vous laisser vous familiariser avec le Pridwen et le reste du personnel. Dès que vous aurez terminé, présentez-vous sur le pont d'envol pour recevoir vos ordres. Bienvenue à bord du Pridwen, soldat. Montrez-vous digne de la confrérie. Excusez-moi, Paladin Dance ? Alors, comment ça s'est passé avec l'aîné Maxon ? Il est vraiment impressionnant. Il a l'air tellement sûr de lui. Absolument. Sans sa détermination, nous serions tous perdus. Est-ce que vous vous rendez compte du risque que j'ai pris en accélérant votre entrée dans la confrérie ? Je ne veux pas vous mettre la pression, mais si vous tombez, je tomberai avec vous. Je ne vous décevrai pas, Dance. Je vous le promets. Bien. Je sais que vous avez hâte de sauter dans une armure assistée et d'attaquer l'Institut de front. Mais chaque chose en son temps. Vous devez commencer par vous intégrer en douceur, faire le tour du Pridwen et apprendre à connaître l'équipage. Puisque je suis officiellement votre mentor, je vous conseille de me laisser vous accompagner. Ça me va. Allons-y. Formidable. Alors c'est vous la nouvelle recrue dont on m'a parlé ? Je vous imaginais différemment. Vous avez l'air déçu. Non, juste surprise. Vous ne ressemblez pas aux gens des terres désolées qu'on a l'habitude de recruter. Bref, comme vous êtes là pour me rencontrer, débarrassons-nous des formalités. Je m'appelle Ingram, et cette charmante fosse pleine de graisse, c'est l'endroit où vous avez le plus de chances de me trouver. Si votre armure assistée est trop serrée à l'entrejambe, si le Pridwen est sur le point de s'écraser, ou si un robot débloque, c'est moi qu'il faut venir voir. On dirait que vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai du boulot par-dessus la tête. Chaque jour, il y a au moins 5 ou 6 trucs qui cassent sur ce dirigeable. Et avec mon harnachement, je ne suis plus aussi alerte qu'avant. Alors, forcément, le travail a tendance à s'accumuler. Pourtant, vous avez l'air de vous déplacer très rapidement. C'est mieux que si je ne l'avais pas, c'est sûr. Bref, je suis sûre que vous êtes là parce que vous voulez une armure assistée. J'ai une T-60 plutôt correcte dans le hangar 3. Elle est à vous. Le servomoteur de la jambe gauche déconne un peu, mais elle devrait vous protéger des sales bêtes. Et si vous avez besoin de la réparer, n'hésitez pas à utiliser nos ateliers. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois me remettre au boulot. Ah, vous voilà enfin. Parfait. Posez les livres où vous voulez. Je verrai ça dès que j'aurai le temps. Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Je ferais peut-être bien de me chercher une nouvelle paire de lunettes. Comme il est évident que vous n'êtes pas la personne que j'attendais, voulez-vous me dire ce que vous faites ici ? Maxon m'a dit de faire la connaissance de l'équipage. Et vous étiez le suivant sur ma liste. Ah, je vois. C'est sans doute vous, la nouvelle recrue mentionnée dans le rapport du Paladin Dance. En temps normal, je me serais fait un plaisir de vous présenter mon service. Cependant, je suis affreusement en retard dans la planification des patrouilles de recherche, et on ne cesse de me bombarder de demandes de documentation technique. Malheureusement, je ne dispose pas du personnel nécessaire pour abattre cette quantité de travail. En tout cas, ça a été un plaisir de faire votre connaissance, chevalier. Une véritable mine de technologie attend d'être découverte par ici. Maintenant que vous avez fait connaissance avec l'équipage du Pridwen, je pense qu'il est temps de vous confier votre prochaine mission. D'accord, aîné. Bien, entrons dans le vif du sujet. Regardez là-bas. Vous voyez ? C'est Fort Strong, un nid de super-mutants. Ces aberrations de la nature sont si proches que je peux presque les sentir. Ça me donne la nausée. Pour ne rien arranger, ils ont mis la main sur un très gros stock de munitions de Fat Man. Nous devons nous en emparer. Je veux que vous alliez sur place, que vous éliminiez tout ce qui bouge, et que vous récupériez les munitions. C'est compris ? C'est comme si c'était fait. Je comprends que vous ayez envie d'attaquer l'Institut tout de suite, mais un peu de patience. La confrérie ne peut pas laisser un tel arsenal nucléaire dans les griffes de ces abominations. C'est toujours un plaisir d'exterminer ces vermines de mutants. Un vertiptère lourdement armé a été préparé. Il n'attend plus que vous. Prenez-le, et allez montrer aux mutants de Force Strong que la confrérie n'est pas là pour plaisanter. Rompez. Volez avec classe, y'a que ça doit. Bienvenue à bord, chevalier. Tout est en ordre. Parez au décollage. En vue.
J'essaie de la garder dans votre ligne de mire. Avant de retourner au prix d'Ouen pour réparation. Regardez-moi tout ce bric-à-brac. On ferait bien de fouiller. Il y a peut-être des choses intéressantes. Fouillez bien la zone. Vous pourriez y trouver de la documentation technique. Qui est là ? Ou des artefacts d'avant-guerre. Regardez un peu cet endroit. On dirait que vous haïssez les super-mutants autant que moi. Ces abominations sont l'illustration parfaite d'un triste penchant de l'humanité. Faire un pas hasardeux en avant pour revenir deux pas en arrière. Ça fait des années que je me bats contre ce fléau. Je commençais enfin à penser qu'on arriverait à les éradiquer, mais voilà qu'on découvre les synthétiques. J'ai vu de quoi les super-mutants sont capables. Je ne peux même pas imaginer les ravages que pourraient causer les synthétiques si on les laissait proliférer. Ce serait la fin du monde. Encore. Et peut-être le coup de grâce pour l'humanité. Désolé. Je ne voulais pas vous ennuyer avec mes élucubrations. J'espère juste que vous comprenez l'importance de ce type de mission. Ne vous excusez pas. Ça me rappelle pourquoi je suis ici. Merci. Je suis content de voir que vous partagez mon sentiment. Enfin, n'y pensons plus. Tout ce qui compte pour le moment... c'est que la mission soit une réussite. Les ogives sont à nous. Vous devriez retourner à bord du prix d'Ouen. Maxon attend certainement votre rapport avec impatience. Rompez. C'est un honneur de servir la confrérie. Ravi de vous l'entendre dire. D'autant que notre mission ici ne fait que commencer. Nous aurons besoin de toutes les armes disponibles pour combattre l'Institut. J'ai toujours à cœur de donner le meilleur équipement possible à mes soldats. Comme vous vous en doutez, Fort Strong n'était que la première étape de notre campagne de libération du Commonwealth. Une tâche autrement plus grande nous attend. J'imagine que vous avez déjà compris que notre arrivée dans le Commonwealth n'a rien d'une coïncidence. Si nous sommes ici, c'est parce que les éclaireurs du Paladin Dance ont détecté des signaux énergétiques pour le moins singuliers. D'après nos scribes, ces signaux indiquent un niveau technologique dont seul l'Institut est capable. À la lumière de cette information, notre mission nous a semblé couler de source. L'Institut et tous les responsables de la création des synthétiques doivent être éliminés, quoi qu'il en coûte. Pour atteindre cet objectif, nous devons localiser leur quartier général. J'ai demandé à nos scribes de passer le Commonwealth au peigne fin, mais ils n'ont rien trouvé. La seule explication logique, c'est qu'ils sont sous terre. Et c'est là que nous avons besoin de vous. Je connais un moyen d'infiltrer l'Institut à l'aide d'un appareil. Un intercepteur de signal. Il semblerait que nous ayons un objectif en commun. Je me réjouis que vous ayez choisi de fabriquer cet appareil avec notre confrérie. Maintenant, voulez-vous bien satisfaire ma curiosité ? Dites-moi pourquoi vous voulez tant pénétrer dans l'Institut. Je crois savoir qu'ils détiennent mon fils. L'Institut se sert des faibles pour servir ses intérêts. Ensemble, nous les ferons payer pour leurs crimes. Je vais prévenir le connétable Ingram. De votre côté, rendez-vous à l'aéroport et mettez-vous immédiatement au travail. L'aîné Maxon a dit que vous m'aideriez à fabriquer l'intercepteur de signal. Alors comme ça, c'est vous qui dirigez les opérations maintenant ? Ok, dites-moi tout. Il sert à quoi, votre nouveau joujou ? L'Institut utilise un téléporteur pour entrer et sortir de sa base. Cet appareil peut pirater le signal et m'y envoyer à la place de quelqu'un d'autre. Un téléporteur ?
Une transmission moléculaire par onde radioélectrique cryptée? Mince, il faut reconnaître que c'est génial. Ça expliquerait les signaux énergétiques anormaux qu'on a détectés dans tout le Commonwealth. Sans parler de la façon dont leurs foutus soldats semblent sortir des murs. Et ce petit bijou permet d'intercepter littéralement le signal retour. Au lieu d'emmener la personne voulue, c'est vous qui le récupère. Épatant. Je vois que vous connaissez votre boulot. J'espère bien. Il y a quelques détails qui m'échappent. Mais je crois que vous pouvez commencer par fabriquer une plateforme réflectrice stabilisée. Il va nous falloir tout un tas de métal de qualité supérieure. Mais vous ne devriez pas avoir de mal à en trouver à l'aéroport. Ces plans semblent vous parler. Tant mieux. Je n'ai pas encore tout compris. Mais je vais étudier ça pendant que vous terminez la première partie. Tenez, voici la liste de tout ce que vous devez trouver. Il vous faudra aussi une source d'énergie très puissante pour faire fonctionner l'appareil. Excellent travail, chevalier. L'intercepteur de signal semble opérationnel. Que diriez-vous de le mettre à l'épreuve du feu ? Avec plaisir. J'attends votre ordre. Votre détermination est un exemple pour nous tous. Mais il faut admettre une chose, c'est la première fois que nous tentons d'adapter une technologie de l'Institut. Personne ne sait vraiment ce qui va se passer quand on mettra l'appareil en marche. Si tout se passe bien, la téléportation vous déposera gentiment au cœur de l'Institut et la mission pourra continuer. Quels sont les détails de la mission ? Je suis content que vous posiez la question. Écoutez-moi attentivement. Quand vous serez à l'intérieur de l'Institut, nous perdrons tout contact. Vous devez absolument mémoriser parfaitement ce que je vais vous dire. Il y a une dizaine d'années, la confrérie a entrepris de recruter des chercheurs des terres désolées de la capitale pour nous aider dans divers domaines. Nous nous sommes ainsi attachés les services d'un certain docteur Madison Lee, l'une des meilleures spécialistes de l'ingénierie nucléaire. Comment la confrérie a-t-elle rencontré le docteur Lee ? Elle participait à un projet civil que la confrérie a repris en main. Nous n'avons eu aucun mal à la persuader de rester. Le docteur Lee a joué un rôle prépondérant dans notre mission de maintien de l'ordre dans les terres désolées de la capitale. Mais après quelques temps, certains différends sont apparus, et elle a choisi de s'exiler au Commonwealth. Tout porte à croire qu'elle avait l'intention d'entrer en contact avec l'Institut. Et la confrérie l'a laissé partir ? Étonnant. C'est une chose qui ne serait jamais arrivée sous mon commandement, croyez-le bien. Elle avait trop de valeur. Votre mission est simple. Une fois à l'intérieur de l'Institut, vous devez localiser le docteur Lee. Si elle est toujours en vie, entrez en contact avec elle et persuadez-la de revenir dans les rangs de la confrérie de l'acier. Nous travaillons sur un projet spécial qui requiert toute son attention. C'est comme si c'était fait, aîné. Bien. Très bien. Écoutez-moi bien, chevalier. Je sais que s'introduire dans l'Institut de cette façon, en aveugle, peut paraître suicidaire. Concentrez-vous sur vos objectifs de mission et ne vous laissez pas influencer par ce que vous pourrez voir ou entendre là-bas. Bonne chance. Voyons. Relais connecté, émetteur de rayons sous tension, tout semble bloqué. Bien, je vais essayer de capter le signal. Croisez les doigts. Attention, je saisis le code. Oh, il y a un paquet d'interférences et de perturbations. 60%, 80%, l'émetteur chauffe un peu mais il tient le coup. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton de transmission. Transmission dans 3, 2, 1. Bon voyage. Arrivé jusqu'ici. Vous ne manquez pas de ressources. On m'appelle Père. Je suis responsable de cet institut. Je sais pourquoi vous êtes là. J'aimerais en discuter avec vous, face à face. Montez dans l'ascenseur, je vous prie. Je ne peux qu'imaginer ce que vous avez entendu, ce que vous pensez de nous. J'aimerais vous prouver que la première impression n'est pas toujours la bonne. Bienvenue à l'Institut. Voilà la réalité de l'Institut. Cet endroit, ces gens et notre travail. Pendant plus d'un siècle, nous nous sommes consacrés à la survie de l'humanité. Des années de recherche, d'innombrables essais et expériences. Une vision partagée de la manière dont la science peut modeler l'avenir.
Ça n'a jamais été facile. Et nos actions ont souvent mal été interprétées par ceux de la surface. Un jour, peut-être, nous pourrons leur montrer ce que nous avons accompli. Mais pour l'instant, nous devons rester sous terre. Les enjeux sont bien trop grands pour risquer de tout gâcher. Comme vous l'avez vu, la surface est assez... instable. J'aimerais vous parler de ce que nous pouvons faire pour tout le monde. Mais ça peut attendre. Vous êtes ici pour une raison spécifique, très personnelle. Vous êtes ici pour votre fils. Sean ? Hein ? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous ? Sean ! Père, je comprends pas. C'est moi. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis ton papa. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? C'est moi. Père ? Ton papa. Père ? Je suis là, Sean. Père, aide-moi ! Il y a quelqu'un ici ! Au secours ! Qui est Père ? Où père est-il ? Père, aide-moi ! Il veut m'emmener ! Père ? Père, aide-moi ! Sean, S9-23, code de rappel Cyrus. Fascinant, mais décevant. Les réactions de l'enfant n'ont pas du tout été celles anticipées. C'est un prototype, voyez-vous. Nous commençons tout juste à explorer les effets des stimuli émotionnels extrêmes. S'il vous plaît, essayez de garder l'esprit ouvert. Je sais que c'est difficile, et que votre voyage jusqu'ici a été parsemé d'embûches. Recommençons. Je suis Père. Bienvenue à l'Institut. Rendez-moi Sean. Le vrai Sean. Tout de suite! Je sais. Je sais. Vous avez fait tant d'efforts pour le retrouver. Je vais m'exprimer très clairement. Où est mon fils? Il est ici, à l'Institut. Plus près que vous ne le pensez. Mais vous devez comprendre que cette situation est bien plus compliquée que vous ne l'imaginez. Vous avez longuement voyagé et grandement souffert pour retrouver votre fils. C'est bon de pouvoir enfin vous rencontrer. Après tout ce temps, c'est moi. Je suis votre fils. Comment c'est possible ? Je sais que c'est difficile à accepter. Dans l'abri, vous n'aviez aucune notion du temps. Après votre réveil, vous l'avez quitté pour partir à la recherche de votre fils disparu. Mais vous avez ensuite appris que votre fils n'était plus un bébé, mais un garçon de 10 ans. Vous avez cru que 10 ans s'étaient écoulés. C'est si difficile de croire que ce n'était pas 10, mais 60 ans. C'est ce qui s'est passé. Et me voilà, élevé par l'Institut, et maintenant à sa tête. Mais pourquoi ? Pourquoi prendre un enfant ? Pourquoi toi ? Ah oui, j'imagine que cette question vous tient à cœur. Pourquoi moi ? À cette époque, en 2227, l'Institut avait fait de gros progrès dans la production de synthétiques, mais c'était insuffisant. La curiosité scientifique et la recherche de la perfection les poussaient toujours plus loin. Ce qu'ils voulaient, c'était la machine parfaite. Alors ils ont suivi le meilleur exemple disponible, l'être humain. Capable de marcher, de parler, de penser. Capable de tout. Des synthétiques humains ? Vraiment ? Des synthétiques semblables à des humains. La distinction n'est pas négligeable. L'Institut s'est consacré à la création d'êtres organiques synthétiques. Et l'ADN humain était, évidemment, le meilleur point de départ. Il y en avait partout, bien sûr, mais il n'était pas pur. Dans ces terres dévastées, les radiations ont touché tout le monde. Malgré tous leurs efforts pour se protéger de la surface, les membres de l'Institut y ont été exposés.
Une autre source était nécessaire. Mais l'Institut m'a trouvé grâce à des documents provenant de l'abri 111. Un nourrisson cryogénisé, protégé des mutations radioactives qui s'étaient infiltrées dans toutes les autres cellules humaines du Commonwealth. J'étais exactement ce dont ils avaient besoin. Et donc mon ADN est devenu la base utilisée pour créer tous les synthétiques semblables aux humains qu'on peut voir aujourd'hui. Je suis leur père. Grâce au miracle de la science, nous sommes une famille. Les synthétiques, moi et vous. Et toi, tu as passé tout ce temps ici ? C'est exact. Je sais que vous avez des questions. Je vous en prie. Je ferai de mon mieux pour vous aider à comprendre. Ta mère, elle n'a pas eu la chance de te voir grandir. Oui. Ce qui lui est arrivé... J'ai lu les rapports liés à l'incident, bien sûr. Il semblerait que sa mort n'ait été qu'un regrettable dommage collatéral. Un dommage collatéral ? C'est tout ce que ça représente pour toi ? J'oubliais que c'est encore récent pour vous. Je ne m'en souviens que vaguement. Et j'ai eu ma vie entière pour faire mon deuil. Est-ce que ça a toujours été facile ? Bien sûr que non. Mais j'ai fait de mon mieux pour l'accepter et vivre ma vie. Pendant des années, je ne me suis jamais demandé qui étaient mes parents. J'ai accepté la situation. Et c'était tout. Mais avec l'âge viennent les regrets. Et on se demande plus souvent si les choses auraient pu être différentes. Enfin, ce qui compte maintenant, c'est que vous et moi avons une chance de tout recommencer. Kellogg, il travaillait pour toi ? Kellogg. C'était un agent de l'Institut bien avant que j'arrive ici. Ce n'est qu'après être devenu directeur que j'ai découvert ce qu'il avait fait. Le genre d'homme qu'il était. Tu savais que c'était un psychopathe ? Mais tu t'es quand même servi de lui ? Vous auriez préféré que je le laisse en liberté dans le Commonwealth ? Au moins en le tenant en laisse, j'ai pu limiter les dégâts collatéraux. L'Institut s'est bel et bien servi de la nature violente de Kellogg. Je l'admets volontiers. La technologie de l'Institut a prolongé sa vie, et donc son utilité... bien au-delà des limites de l'être humain. Il n'a jamais manqué à son devoir envers l'Institut. Mais sa cruauté transparaissait de plus en plus à chaque mission. Je vais être franc. Ce n'est pas un hasard si vos chemins se sont croisés. Ça me semblait être un bon moyen de vous permettre d'assouvir votre vengeance. Notre vengeance. Alors, c'est toi qui dirige l'Institut ? Je suis le directeur, oui. J'ai travaillé des dizaines d'années avant d'y parvenir. C'est une responsabilité que je prends très au sérieux. L'Institut est d'une importance capitale. Il s'agit du meilleur espoir de l'humanité pour l'avenir, quoi qu'en pensent ceux de la surface. Ils ont peur de toi, Sean. Peur de l'Institut. Les gens ont toujours peur de ce qu'ils ne comprennent pas. En fin de compte, le Commonwealth n'a rien à craindre de nous. Quoi que vous ayez pu voir ou entendre, je sais que je peux vous en convaincre. Il faut juste me laisser du temps. Je sais qu'il y aurait bien plus à dire, mais l'Institut est sur le point de réaliser de grandes choses. Votre présence serait très appréciable quand nous toucherons au but. Je fais partie de quelque chose d'extraordinaire ici. Je me suis bâti une vie pour moi-même et pour les membres de l'Institut. Et maintenant, après toutes ces années, vous avez la possibilité d'y contribuer. Ça ne vous intrigue pas. Ça n'est pas ce que vous voulez. Peut-être. Je n'en sais rien. Tout ça est difficile à accepter. Je sais. Et j'en suis désolé. Vous avez vécu tellement de choses en si peu de temps. L'Institut peut offrir une meilleure vie que ce qu'on peut trouver à la surface. Vous avez vécu dans le Commonwealth. Vous savez ce que c'est. Je vous assure que vous serez mieux avec nous. Comment tu peux dire ça ? Comment tu peux mépriser ces gens à ce point ? Et tout ce qu'ils ont fait ? Parce que c'est la vérité, tout simplement. Et j'espère que vous le savez aussi. Je vous demande simplement de donner une chance à l'Institut, et à moi. Une chance de vous montrer ce dont je vous parle. Nous voulons réellement servir les intérêts de l'humanité. Acceptez-vous cette offre ? Impossible. Je ne peux pas faire ça. Je suis navré de l'entendre. J'espérais que nous pourrions travailler ensemble, mais tout le monde doit prendre ses propres décisions.
Si vous préférez partir, je ne vous retiendrai pas. Vous comprendrez cependant que je ne peux pas vous autoriser à rester dans l'Institut. Vous pouvez retourner au relais sans rencontrer de résistance, puis regagner la surface. Mais ensuite, nous devrons vous considérer comme hostile. Je suis désolé. La sécurité de l'Institut est ma priorité. Et dans ce monde cruel, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. L'ascenseur vous ramènera au relais. Excusez-moi, Docteur Lee ? Oh, c'est vous. Vous n'avez pas l'autorisation d'être ici. Je suis là pour vous. Pour moi ? C'est la confrérie de l'acier qui m'envoie, pour vous retrouver. Au moins, on ne peut pas dire que vous tournez autour du pot. Je savais bien que vous finiriez par me retrouver un jour ou l'autre. Ça fait bientôt 10 ans que je vis dans la peur constante de voir débarquer un assassin de la confrérie. Pourquoi est-ce qu'on voudrait vous éliminer ? J'ai participé à des projets particulièrement sensibles pour la confrérie de l'acier. Lyons m'a laissé partir, mais certains membres du haut commandement pensaient que j'en savais trop. C'est pour ça que j'ai rejoint l'Institut. C'était le seul endroit où je pouvais continuer mes recherches loin des griffes de la confrérie. Puisque Père vous fait confiance, je veux bien vous accorder le bénéfice du doute. Il nous arrive d'avoir nos désaccords, c'est vrai. Mais je sais qu'il ne laisserait personne me faire du mal. Dites ce que vous avez à dire et laissez-moi tranquille. La confrérie a besoin de votre aide, docteur. Mon aide ? Pourquoi ? Ils avaient l'air d'avoir la situation en main quand je suis parti. La confrérie vous tient en haute estime. Nous serions honorés de vous revoir parmi nous. Oh, c'est trop gentil. Il y a une chose qui m'échappe. Qu'est-ce qui pourrait me pousser à retourner voir la confrérie ? Pourquoi j'abandonnerais tout ce que j'ai accompli ici ? La confrérie a toujours joué franc jeu avec vous. C'est vrai que je commence à en avoir assez de tous ces secrets ici. Parfois j'ai l'impression que Père ne me dit pas toute la vérité, qu'il me cache quelque chose. Je n'aime pas ça, mais en même temps cet endroit est ce qui se rapproche le plus du paradis pour les gens comme moi. Votre travail aurait un sens. Vous pourriez participer à la libération du Commonwealth. Ah, vous avez le don d'appuyer là où ça fait mal. Entre nous, je n'ai jamais compris pourquoi l'Institut était égoïste à ce point. Tous ces innocents qui meurent là-haut. Alors qu'ici, on a des technologies qui pourraient changer leur vie. Mais non, on préfère rester caché, loin de tout et isolé du reste du monde. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Je vais retourner dans la confrérie. Mais je dois le faire seul. Je ne peux pas prendre le risque qu'on nous voie ensemble. Vous pouvez aller dire à votre supérieur que le docteur Madison Lee est prêt à reprendre du service. Bon, essayons au moins de sauver les apparences. J'ai appris que le docteur Lee serait à nouveau des nôtres bientôt. Pensez-vous qu'elle nous offrira sa pleine et entière coopération ? J'ai réussi à la convaincre que son ennemi ce n'était pas la confrérie, mais l'Institut. Beau travail, chevalier. Dès que le docteur Lee sera parmi nous, elle sera transportée à bord du Pridwen pour interrogatoire. Elle a passé 10 ans au sein de l'Institut. Nous ne pouvons pas prendre le moindre risque. Maintenant, passons à autre chose, si vous le voulez bien. Grâce à ce que vous avez découvert au cours de votre mission de reconnaissance, nous allons pouvoir passer à la phase suivante. Allez vous présenter au connétable Ingram à l'aéroport. Elle travaille sur un projet spécial qui requiert toute votre attention. Une fois de plus, chevalier, vous dépassez mes espérances. Rompez. Je parie que vous avez hâte de découvrir notre nouveau projet. Qu'est-ce que Maxon vous a dit à ce sujet ? Quoi que ça puisse être. J'espère que ça nous aidera à écraser l'Institut. Aucun doute là-dessus. Mais il nous reste encore beaucoup de travail avant d'en arriver là. Venez, c'est par ici. À moins que vous soyez complètement aveugle, vous avez sûrement remarqué qu'on a installé un site de montage sur le tarmac. Ça fait un moment que Maxon et Kels cherchent un moyen de faire pencher la balance en notre faveur, quand l'Institut sortira enfin de ce trou. Le Pridwen en impose, c'est sûr. Mais il n'est pas conçu pour le combat. C'est là que notre nouveau projet entre en piste. Cet entrepôt rempli de pièces détachées est tout ce qu'il reste de Liberty Prime. La confrérie l'avait déployé dans les terres désolées de la capitale pour combattre le clan. C'est le robot le plus sophistiqué que la confrérie ait jamais envoyé au combat. Malheureusement, Liberty Prime n'a pas survécu à sa première campagne. Ces dernières années, j'ai consacré presque tout mon temps à le remonter pièce par pièce. Et si vous imaginez que c'est facile, essayez un peu d'assembler un Protectron les yeux bandés, vous verrez. Mais pour remettre Liberty Prime sur les rails, on va avoir besoin de votre aide. Aucun problème. C'est sûrement moins grave que ça en a l'air. J'aimerais être aussi confiante que vous. Ça ne va pas être facile, croyez-moi. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quasiment fini d'assembler ce puzzle géant. La mauvaise,
c'est qu'il faudra un peu plus qu'un paquet de rivets et quelques soudures pour le remettre en état de marche. Le plus gros problème, c'est son processeur central. Il est ultra sensible. Et il disjoncte à chaque fois qu'on essaie de le mettre sous tension. Il doit bien y avoir un moyen d'arranger ça. Je m'occupe de toute la maintenance sur le Pridwen. Donc je sais de quoi je parle. Ça me fait mal de l'admettre, mais ces générateurs sont trop compliqués pour moi. Mais j'ai repris espoir depuis que vous avez réussi à convaincre le Dr Lee de rejoindre la confrérie. Elle faisait partie de la première équipe qui a conçu Liberty Prime, il y a un peu plus de 10 ans. Je lui ai déjà parlé, mais elle refuse de travailler sur ce projet. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Si vous pouviez la persuader de venir nous donner un coup de main avec les générateurs d'énergie, on pourrait remettre cette vieille carcasse sur pied. Bon, ça commence plutôt bien, n'est-ce pas, docteur ? J'espère bien. Prime a subi des dégâts importants au niveau de son noyau mémoriel. Vos subalternes auraient pu faire un peu attention, connétable. La bonne nouvelle, c'est que les dégâts sont réparables. Je devrais pouvoir alimenter son processeur sans risquer la surcharge. Mais pour ça, je ne veux pas vous avoir dans les pattes. Elle est sympa, hein ? Je m'excuse, Ingram. Ne vous en faites pas. Ça nous arrive de nous crêper le chignon, mais j'ai déjà vu bien pire. En plus, les talents du Dr Lee compensent son caractère. Elle faisait tout de même partie des concepteurs d'origine de Prime. Je ne vois pas comment on pourrait faire mieux. L'unité de la superstructure intacte. Vous avez quelque chose à me dire, chevalier ? Pas du tout. Je n'ai rien à cacher. Je trouve ça difficile à croire. Le connétable Quinlan a terminé de déchiffrer les données que vous avez récupérées à l'Institut. Parmi ses découvertes, il a trouvé une liste des synthétiques qui ont disparu ou qui se sont échappés de leur complexe souterrain. Après une analyse minutieuse de ces informations, nous avons découvert quelque chose d'étonnant. Le paladin Dance correspond en tout point à l'un des synthétiques de cette liste. Mais c'est impossible! Malheureusement, les preuves sont irréfutables. Les données que vous avez rapportées contiennent les informations génétiques de chaque sujet, tout comme les dossiers que nous créons pour chacun de nos soldats. L'ADN du paladin Dance correspond exactement à celui d'un synthétique qu'ils appellent M797. Et pour ne rien arranger, il a mystérieusement disparu sans laisser de traces. Cette absence soudaine ne plaide pas en sa faveur, et renforce notre conviction que M797 et le paladin Dance sont une seule et même personne. J'ai du mal à croire qu'il ne s'est jamais confié à vous et vous a ensuite demandé de garder le secret. Je vous jure que non. Il ne m'a jamais avoué qu'il était un synthétique. Je me suis peut-être trompé sur votre compte, finalement. En fait, j'ai décidé de vous croire sur parole. Toutefois, ça ne vous dispense pas de faire votre devoir. Dance est un synthétique. Il représente tout ce que nous haïssons. Il est une abomination technologique. Notre mission dans le Commonwealth est claire. Pour préserver notre avenir, il est nécessaire de détruire l'Institut et ses créatures. Je vais donc vous donner l'ordre le plus difficile que j'ai jamais donné. Je vous ordonne de retrouver Dance et de l'exécuter. Je refuse. Dance mérite une chance de s'expliquer. Je ne vous demande pas votre avis. C'est un ordre, pas un débat public. Je vous ai donné un ordre direct, chevalier, et j'attends de vous que vous l'exécutiez sans poser de questions. Écoutez, je n'oublie pas que Dance était votre mentor. Et je sais que c'est difficile pour vous. Mais si nous voulons rester forts, nous ne pouvons pas faire d'exception. Même si ça implique d'exécuter l'un des nôtres. Allez voir le connétable Quinlan. C'est lui qui a analysé les données. Il devrait pouvoir vous donner une piste. J'oubliais. Si vous menez à bien cette mission, il y a une promotion à la clé. Alors, ne me décevez pas. Rompez. Ah, chevalier. On m'a prévenu de votre venue. Je suis navré pour toute cette affaire à propos de Dance. Ce ne sont pas des excuses que je veux. Je veux savoir où il est. Oui, vous avez raison. J'ai épluché les rapports de mission de Dance et, malheureusement, je n'ai trouvé aucune information concrète. Comme vous le savez, Dance possède une connaissance approfondie du Commonwealth. Ce qui veut dire qu'il aurait pu se réfugier n'importe où. Notre meilleure approche, à mon sens, consiste à identifier tous les endroits où il s'est rendu et à les rayer de la liste des possibilités l'un après l'autre. Mettez-vous à l'aise. Ça pourrait prendre un certain... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dance ? Un synthétique ? Je comprends que vous puissiez douter de la véritable identité de Dance, Scribe. Mais je peux vous assurer que mes découvertes sont parfaitement exactes. Alors lui, il tend un piège à Dance et vous, vous l'éliminez, c'est ça ? Je n'ai pas le temps de parler de ça, Hélène. Pourquoi ? On a hâte de presser la gâchette ? Après tout ce que le paladin Dance a fait pour vous. J'arrive pas à croire que vous soyez capable de lui tourner le dos comme ça. Il y a forcément une erreur quelque part. Et il faut qu'on tire cette histoire au clair. Scribe Hélène ! Vous vous adressez à un officier supérieur. Vous allez immédiatement lui témoigner le respect dû à son rang, sans quoi je serai obligé de vous sanctionner pour insubordination.
À moins que vous ayez de nouvelles informations qui puissent nous aider, je vous suggère de retourner immédiatement au commissariat. Certainement. Mes excuses, connétable. Je crois avoir des informations en rapport avec notre chasse à l'homme. Très bien. Comptez-vous les partager avec nous, ou devons-nous attendre que vous décidiez du moment approprié pour nous éclairer de votre savoir ? Chevalier, si vous voulez bien m'accompagner sur le pont d'envol, j'aimerais vous montrer les informations que j'ai réunies. J'ai enregistré ces données sur l'ordinateur de bord de mon vertipter. Tout ce qui peut me permettre de retrouver Dance m'intéresse. Très bien. Allez-y, chevalier. Je vais continuer mes recherches ici. Si vous voulez bien me suivre. Vous comptez vraiment tuer le paladin Dance ? C'est une question délicate, Hélène. En fait, j'aimerais que vous m'écoutiez un instant. Je connais le paladin Dance depuis mes débuts dans la confrérie en tant que conscrit. Il m'a formé, il m'a montré toutes les ficelles du métier. Et il m'a appris à surmonter mes échecs et à aller de l'avant. Il a gagné mon admiration, mon respect et mon amitié. Je me fiche de ce que dit le rapport de Quinlan. Et je me fiche qu'il soit une machine ou pas. C'est toujours Dance. Voilà une déclaration bien audacieuse. C'est plus qu'une déclaration. C'est une supplique. Dance est la personne la plus altruiste que je connaisse. Je l'ai vu risquer sa vie juste pour une question de principe. C'est pour ça que je vous demande. Pas seulement en tant que membre de la confrérie, mais aussi en tant qu'être humain. Donnez-lui une chance. Laissez-le vous donner sa version des faits. S'il ne parvient pas à vous convaincre, ou si vous pensez vraiment qu'il est perdu à notre cause, alors faites ce que vous avez à faire. D'accord. J'écouterai ce qu'il a à dire. C'est tout ce que je vous demande. Je vais simplement croire que vous prendrez la bonne décision le moment venu. Avant l'arrivée du Pridwen, Dance m'avait fait identifier un point de repli pour le cas où le commissariat tomberait. C'est la station des coups de Bravo, un vieil avant-poste militaire d'avant-guerre, à la frontière nord du Commonwealth. C'est un endroit isolé, et on est les seuls à connaître son existence. Donc, il y a de grandes chances qu'il se rende là-bas. Faites attention, cela dit. Je ne sais pas dans quel état d'esprit il est en ce moment, ou s'il nous fait même confiance. Début de la... Excusez-moi. Ah, c'est vous. Ça ne m'étonne pas. Maxon n'a jamais aimé se salir les mains. Pourquoi vous ne m'avez rien dit, Dance ? Parce que je l'ignorais. Jusqu'à ce que Quinlan déchiffre cette liste, pour moi, les synthétiques étaient l'ennemi à abattre. Jamais je ne me serais attendu à en être. Dire que sans Hélène, nous n'aurions pas cette conversation. Alors, quels sont vos ordres ? Maxon veut me capturer vivant ? Non, mais j'aimerais trouver une autre solution. Ne soyez pas ridicule. Écoutez, je sais que ça ne doit pas être facile pour vous. J'aurais préféré que Maxon envoie quelqu'un d'autre. Enfin, ça ne change rien. Je suis un synthétique, ce qui signifie qu'il faut me détruire. Si vous désobéissez aux ordres, vous trahissez non seulement Maxon, mais aussi la confrérie et tout ce qu'elle représente. Il est impossible de faire confiance aux synthétiques. Les machines ne sont pas faites pour prendre leurs propres décisions. Elles doivent être contrôlées. C'est la technologie devenue incontrôlable qui a mis ce monde à genoux et conduit l'humanité au bord de l'extinction. Je dois être un exemple, pas une exception. Je n'arrive pas à savoir si c'est l'homme ou la machine qui parle. Votre perplexité ne fait que renforcer mon opinion. Je suis prêt à accepter les conséquences de ma véritable identité. Maxon vous a ordonné de m'exécuter. Et il n'est pas question que je résiste. Il n'y a pas d'autre façon de régler ça ? Nous savons tous les deux que c'est la meilleure chose à faire. Si vous refusez d'exécuter les ordres de Maxon, vous trahissez tout ce que représente la confrérie. Et je ne veux à aucun prix qu'une telle chose arrive par ma faute. Si vous êtes tellement pressé de mourir, finissez-en vous-même. Si vous partez d'ici sans exécuter vos ordres, j'ai bien l'intention de le faire à votre place. Maxon vous a donné cet ordre pour vous mettre à l'épreuve, et je refuse d'être la cause de votre échec. S'il le faut vraiment, je le ferai. Je n'ai jamais été aussi fier de vous qu'en ce moment même. Ce fut un plaisir de me battre à vos côtés.
Victoria. Au rapport, chevalier. Avez-vous réglé le problème du paladin Dance ? J'ai fait le nécessaire. C'est tout ce que j'attendais de vous. Évidemment, la disparition de Dance laisse un vide dans notre commandement. Ce traître occupait un poste important dans la confrérie. Poste qui, à mon avis, vous conviendrait à merveille. Ses quartiers et toutes ses possessions sont désormais à vous. Y compris son armure assistée personnelle. Félicitations, paladin. Et on peut la trouver où, cette armure ? Vous la trouverez certainement dans la section du Pridwen dont s'occupe le connétable Ingram. Portez-la avec fierté. Gardez simplement à l'esprit qu'un paladin de la confrérie se doit d'être un exemple d'intégrité pour ses frères et ses sœurs. Je compte sur vous pour ne pas les décevoir, ou me décevoir. Quoi qu'il en soit, nous devons toujours combattre l'Institut et il nous reste beaucoup à faire avant de pouvoir lancer notre assaut final. Les réparations de Liberty Prime seront bientôt terminées, mais en attendant, le capitaine Kells a identifié une menace potentielle pour nos opérations. Allez le voir immédiatement pour qu'il vous donne votre prochaine mission. Ad Victoriam, paladin. Que cette fâcheuse histoire avec Dance est réglée, nous pouvons revenir à nos préparatifs militaires. Quand vous voulez, capitaine. Tant mieux. Parce que cette mission demande la plus grande attention. Avant de lancer l'assaut sur l'Institut, nous devons éradiquer une autre menace. Le réseau du rail. C'est un petit groupe très actif qui utilise des tactiques de subterfuge et de guérilla pour harceler ses ennemis. Notre analyse tactique indique qu'il pourrait gêner nos opérations, voire les mettre en danger. Et il est exclu de courir un tel risque. En les frappant maintenant, nous devrions pouvoir infliger des dégâts optimum à leur organisation. En quoi le réseau du rail est-il une menace ? Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais ils constituent une menace permanente pour nos opérations. Ils ont déjà prouvé leur âpreté face à des forces supérieures et leur capacité à disparaître quand ils sont acculés. Par ailleurs, ils sont à même d'aider les synthétiques à s'enfuir de l'Institut. Si nous voulons mettre un terme à la menace des synthétiques, il devient urgent de colmater les brèches. Pour anéantir le réseau du rail, il faut totalement éliminer ses chefs, sans quoi ses membres se regrouperont ailleurs. Voici une liste de 5 cibles dont l'élimination devrait permettre d'annihiler radicalement leur commandement. Il faut tous les tuer, j'imagine ? Oui. C'est la seule manière de s'assurer qu'ils ne constituent plus une menace. Je ne doute pas un instant que vous ferez tout ce qu'il faut pour réussir cette mission. Dès que vous le pouvez, rendez-vous à Old North Church et prenez contact avec notre équipe d'intervention. Elle vous fournira tout le réseau et la puissance de feu dont vous aurez besoin pour abattre le réseau du rail. Ad Victoriam, paladin. Tirez-moi de là! Merde! On a de la compagnie! Qu'est-ce qui s'est passé ? Charge de détonation sécurisée est prête. Ah!
Je rentre à la maison. Capte toujours des signaux radio inconnus par intermittence. Le réseau du rail ne devrait plus être une menace pour nos futures opérations. Ces extrémistes ont eu le sort qu'ils méritaient. Clairement. Le connétable Ingram est en train de terminer les réparations de Liberty Prime, et elle demande votre aide. Félicitations, Paladin, pour avoir réussi une nouvelle mission. Ad Victoriam. Il serait temps de débrancher Liberty Prime. Ça fait un moment qu'on l'alimente par l'intermédiaire des moteurs du Pridwen, mais c'est loin d'être suffisant pour démarrer son réacteur à fusion. C'est pourquoi il faudrait que vous nous trouviez un agitateur de beryllium. Et j'imagine que vous savez où le trouver. Évidemment. Je n'ai pas été nommé responsable de la maintenance du Pridwen juste pour mon charme irrésistible. Quinlan a trouvé des infos sur une entreprise du nom de Mass Fusion. C'était un fournisseur d'électricité avant la guerre. Le PDG était un genre d'inventeur qui a conçu toutes sortes de joujoux nucléaires. L'agitateur était sa grande fierté. Il travaillait dessus dans son laboratoire, au sommet du gratte-ciel de l'entreprise dans le quartier des affaires. C'est là qu'on va aller. J'espère que ça ne vous gêne pas d'avoir un peu de compagnie, parce que je viens avec vous. Je pense que vous pourriez nous être utile. Je savais que vous seriez d'accord. Kels a un vertiptère prêt à décoller qui peut nous déposer sur le toit de la tour de Mass Fusion. Prenez tout l'équipement dont vous avez besoin et retrouvez-moi sur le pont d'envol. Ne traînez pas. Si l'Institut découvre que l'agitateur est là-bas, ils feront tout pour qu'on ne mette pas la main dessus. Cible ennemie en vue sur le toit. Préparez-vous au combat. L'agitateur de beryllium doit être branché quelque part dans la partie supérieure du réacteur. Des renforts. Je vais les retenir. Dépêchez-vous de filer avec l'agitateur. Jamais réussi sans votre aide. C'est marrant.
Quand je pense que vous hésitiez à me laisser venir... Enfin, on parle... On a du boulot. Bon, on y est. C'est le moment de vérité. On a préprogrammé les coordonnées de l'Institut dans le processeur de navigation de Liberty Prime. Dès qu'il pourra s'auto-alimenter, il y foncera directement. L'aîné Maxon veut que vous le suiviez pour veiller à ce qu'il arrive au CIT en un seul morceau. J'ai vérifié chaque boulon et chaque connexion de notre bébé. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est brancher l'agitateur, démarrer le réacteur et croiser les doigts. On n'a pas besoin de chance, tant qu'on est avec vous, Ingram. Je n'ai pas fait ça toute seule. Écoutez, j'en ai touché un mot à l'aîné Maxon et on pense que l'honneur de démarrer Liberty Prime vous revient. Branchez l'agitateur de beryllium dans la prise du réacteur, puis revenez ici et appuyez sur le bouton de transfert. Bonne chance, Paladin. Ad Victoriam. Fusion réinitialisée. Analyse système complète de Liberty Prime. Tous les systèmes normaux, armes activés. Mission, la destruction de tous les Chinois communistes. Probabilité d'une victoire des Chinois impossible. Soldats, saluez. On ferait Liberty Prime. Trajet vers la cible. Le plus beau jour de ma vie. La liberté est le droit souverain de chaque Américain. La démocratie n'est pas négociable. Ad Victoriam, on est avec vous, Paladin. Communiste détecté sur le sol américain. Emploi de la force létale. Engagement des agresseurs de la Chine rouge. Je dois jouer. La démocratie, c'est la liberté. Le communisme, c'est la tyrannie. Allez à l'intérieur et mettez fin à la liberté et le droit souverain de chaque Américain.
La mission se déroule comme prévu, Paladin. Beau travail. Notre prochaine cible est le réacteur. Si qui que ce soit tente de nous ralentir, éliminez-le. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une machine. Quand nous aurons atteint la cible, vous aurez besoin de ceci. C'est une charge à impulsion. Si vous la posez sur le réacteur, il sera ensuite possible de la déclencher à distance. Ce sera largement suffisant pour détruire entièrement l'Institut. Ingram, vous allez rester ici et vous nous téléporterez hors de l'Institut une fois la mission terminée. Veillez à ce que tout soit en état de marche. Menace neutralisée. Il y a quelqu'un. Il y a quelque chose. Hein ? Encore une victoire pour la confrérie. Ça, c'est exactement ce que je craignais. Aucun contrôle, aucune supervision. La technologie est devenue folle. Attendez, c'était quoi ça? Cible localisée. J'attaque l'ennemi. Qui va là? Cible retrouvée. Attention. Cible localisée. On a localisé le réacteur, Paladin. Il est accessible par le département des systèmes avancés. Le seul problème, c'est que vous ne pourrez pas l'atteindre. Il n'est possible de couper les protocoles de sécurité que depuis le terminal du directeur. Vous allez donc devoir vous rendre dans ces quartiers. On va renvoyer cet endroit en enfer. Je ne m'attendais pas à vous revoir. C'est pour le réacteur que vous venez, hein? On a réussi à le faire marcher sans vous. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es malade? Ne prétendez pas vous soucier de moi. Vous auriez pu m'aider. Et vous avez préféré m'abandonner. N'est-ce pas assez que je sois là, agonisant? Vous avez aussi l'intention de tout détruire? Alors dites-moi... Sous quel prétexte vertueux avez-vous justifié cette atrocité? C'est pour le bien commun. Le Commonwealth mérite de choisir son destin. Épargnez-moi votre discours. Vous avez passé du temps là-haut. Vous savez tout aussi bien que moi que ce monde est condamné. Enfin, tout ça n'a plus d'importance, je suppose. Vous accomplirez votre tâche et anéantirez ainsi le meilleur espoir d'un avenir pour l'humanité. La dernière question en suspens, c'est pourquoi vous êtes ici? Vous avez des remords? Ou vous êtes simplement là pour jubiler? Sean, j'aurais aimé pouvoir faire quelque chose de plus. J'aurais voulu te sauver. Ce n'est pas un conte de fées, père. Vous ne pouvez pas me sauver. Je suis mourant. Et vous allez détruire tout ce que j'ai jamais aimé. Vous allez devoir vivre avec ça. Sur ce, vous m'excuserez, mais j'aimerais être seul pendant mes derniers instants. Allez-y, faites ce que vous avez à faire. Mais j'espère qu'un jour, vous comprendrez que vous avez eu tort. Thank you.
Bien joué, Paladin. La voie devrait maintenant être dégagée jusqu'au réacteur. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que les renforts sont arrivés. De laisser cet endroit à son sort. Connétable Ingram, vous me recevez? La mission est accomplie. Vous devez nous faire sortir d'ici sans perdre un instant. Notre travail est terminé. Connétable Ingram, téléportez-nous hors d'ici. Désolé, aîné. Je l'aurais bien fait, mais... Un enfant vient d'arriver. Il prétend être le fils du paladin. S'il te plaît, papa, me laisse pas ici. Je veux venir avec toi. Pourquoi tu m'as appelé papa? Bah parce que t'es mon papa. Tu poses des questions bizarres. Oui, bien sûr. Je suis ton père. Ouf. Pendant un instant, j'ai cru que t'avais oublié qui j'étais. Vite, dépêchons-nous de sortir d'ici. D'accord. Tu peux venir avec moi. C'est vrai? Tu veux bien? Puisque je te le dis. Allez, viens, on s'en va. Je suis content que tu sois là pour me sauver. Faites-nous sortir de là. Bien reçu, Paladin. Je vous envoie directement au site de détonation avec l'aîné Maxon. Je veillerai à ce que l'enfant ait de nouveaux vêtements et qu'il atteigne l'aéroport sain et sauf. Quand le réacteur explosera, cet endroit ne sera plus qu'un cratère fumant rempli de gravats. Ça devrait valoir le coup d'œil. Connétable Ingram m'a assuré que nous serions en dehors du rayon de l'explosion. Appuyez sur ce bouton. Et vous ne ferez pas que vaincre notre ennemi. Vous rétablirez également l'ordre et la décence au sein du Commonwealth. L'heure est venue, Paladin. L'Institut et ses abominations de synthétique doivent être éradiquées. Je la sens me submerger. La chaleur, la force, la radiation, la peur. C'est la fin du monde, une fois de plus. Je ferme les yeux. Je revois ma vie d'avant la guerre, avant les bombes. Il suffit d'un instant pour que tout bascule. L'avenir, quand c'était tracé, change du tout au tout, qu'on soit prêt ou non. Ça nous arrive à tous, un jour ou l'autre. Ce n'est pas le monde que j'espérais. Et c'est dans ce monde qu'on m'a plongé. Le Commonwealth. Ma patrie. On l'a taillée en pièces puis reconstituée. J'ai espéré pouvoir retrouver les miens. Tromper le temps, reconstituer ma famille. Faire comme avant.
Mais maintenant, je sais. Je sais que c'est une chimère. Que le monde a changé. Que la route sera longue. Cette fois, je suis prêt. Parce que je connais la guerre. La guerre ne meurt jamais.